YouTube, hein. Je vous remercie beaucoup de l'accueil que vous avez réservé à la partie 1. En fait, j'en sais rien, je l'ai pas encore upload. Voilà. Mais j'imagine que... Quoi? Non, mais déjà, pour premier truc qui va pas, là. Sur la carte, on voit clairement que le rectangle, il se prolonge et que je pourrais aller tout droit pour aller à la course. Mais là, non. Ah, il n'y a pas de notion d'étage, malheureusement. Il n'y a pas de notion d'étage? Ah, on n'est pas dans Zelda, quoi. Si, mais... Là non plus. Ah oui, ah ouais. Ah, il y a une notion de passer à travers les murs, apparemment. Ah, ça, il sait faire, le jeu. Ah, ça commence déjà. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe au niveau du chargement des choses? Ah, c'est la PS1, vous savez. Ok, d'accord, tu vois bien. Bon, je ne sais plus comment on joue à jeu. Ah, croix pour accélérer. C'est tout ce que tu as besoin. Parfait. Ça, c'est bon, c'est moins pire que la dernière fois, il y a une seule touche. Et, donc il nous reste pas grand chose à faire, hein, on va finir ce soir. Adé m'a dit que j'avais géré comme un dieu à la partie 1 là, donc là j'ai juste à être un grand joueur, quoi. Oh, Bandicoot, j'esquive les objets. Bon, ça commence déjà bien, hein. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le grand 8. Ah, c'est spécial. T'es pas prêt. Accroche-toi bien. Je m'accroche. Oh, les courses deviennent voilà. Ah, c'est plus la première course, ça c'est sûr. Ah ouais. Oh, j'ai la montre, c'est la première fois que je l'ai. Tu vois, c'est sympa. Bon, c'est un peu nul quand elle est pas boostée avec les pommes, mais... Ils vont tous mourir. Est-ce que c'est le moment où le jeu te dit « Faudrait que t'apprennes à faire des virages, là, à un moment donné. Ça va finir par se voir. » Pour la coupe, je dirais que non, mais après, pour le reste, sûrement, oui. Pour le platine, oui, ça c'est sûr, pour la relique de platine. Ah ben on fera pas les reliques de platine. Ça tombe bien. Tout va bien finalement. Tout va bien. I'm Neo Code Tex. Ah il faut pas faire de rapage. Ah non faut pas. Hein. Ah on va perdre. Ah mais est-ce qu'on peut faire une autre course? Parce qu'elle a l'air d'être quand même assez retors, celle-là. Ouf, les autres sont un peu du même style, tu sais. Merde. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le monde 1 et le... Entre le monde 3 et le monde 4, là? J'ai l'impression que la difficulté a monté, mais vraiment beaucoup. Parce que je pense que le prochain niveau, c'est celui de Cortex. Et c'est pas mieux. Je dirais même c'est pire. Ah ouais, quand même. L'avantage de ce niveau, c'est qu'il n'y a pas de raccourci. Donc tu peux pas... Ah, évidemment, le bol, hein. Comme d'habitude. Sauvé par des objets. Ah, c'est comme Mario Kart, finalement, c'est un jeu de chance. Bah oui. J'ai une carapace et voilà, quoi. Par contre, il faudrait de quoi me protéger. Parce que là, ça va finir par se voir. Typiquement, une caisse peut te servir un peu comme une carapace, quoi, si tu la gardes, mais bon. Ouais, mais bon, c'est pas. C'est ça. Puis j'ai pas envie de me faire péter la gueule, en fait. Puis bon, les ennemis ont pas vraiment l'air de te balancer de missiles, donc. Tant mieux. Kaboom. Hey, je l'ai eu! Grognasse. Il a vraiment un petit rire à... Petit addict, ce Cortex. Bon bah voilà, ça va. Bah facile. Bah easy, en fait, finalement. Ah, GG. C'est bon, je ne fais plus qu'à avec le jeu maintenant, je suis devenu professionnel. C'est la partie, mais une fois que tu connais la course, finalement, C'est bien. C'est comme tous les jeux de course, c'est du par cœur. Bah c'est ça. Le putain de par cœur. Donc ça, on skip. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Le Pen. On l'a oublié, lui.
pip, pip, pip. Oh, il m'en manque une. Oh non, mais c'est pas le bon étage. Ah, t'avais pas eu ce tuto encore, du coup. Bravo. C'est peut-être parce que je sais compter. Course. Bah, surtout que la map te l'indique, quoi, quand c'est débloqué le niveau. Ah, ça y est, les... Tout devient des... Tout devient, finalement, même la map devient un labyrinthe. Bon, ça bon c'est parti pour Cortex. Ah, le château de C'est le monde des méchants, quoi. Il y aura Pinstripe, il y aura... Reaper Roux. J'espère que t'aimes bien manger les murs. Hein. Oh, c'est des angles droits. La course préférée à... Angle droit. Ah mais c'est Stormy Ascent. Il y a des araignées et des twamps. Oui. Mais ils ont fait un jeu génial en vrai, c'est con. Ah non mais... Le jeu se révèle être extraordinaire. Le jeu est pas mal. Ah mais en fait, plus le temps passe, plus j'apprécie le jeu de merde. C'est à se demander ce qui se passe. Ah, je t'avais dit que c'était pas un mauvais jeu. Non. Non, c'est de la merde en vrai. En vrai. Finalement, c'est de la merde. Finalement, ce jeu est de la merde. Mais par contre, il y a que des fruits. Hein. Ça, c'est effrayant. Ah, au moins tu en as toujours le nombre max. Mais je me demande s'ils vont pas vite parce que je fais des turbos, etc. Normalement ils font peut-être pas de turbos quand je... Oh là. C'est pas grand chose là pour le coup. Oh GG. Ah il se passe quelque chose là. Ça allait vite aussi quoi. Putain il m'a tout piqué. Maudit Bandicoot. C'est pas évident là. Ça va, là, il se passe quelque chose. Hein. Ouais, ah ça va, t'es passé premier. J'aurais cru que tu te serais plus bouffé les murs que ça. Comme tu vois, j'ai appris. J'ai appris depuis maintenant, je vais adorer les jeux de course finalement. Bon, je sais pas si t'as vu où était le raccourci du niveau, mais c'est pas très grave. C'est quoi là? Ah bah par contre je me suis pris un missile et voilà quoi. Et c'est juste avant la fin. Mais bon il est pas facile à prendre. Ah là là. Une fois de plus. Une fois de plus Bollman. Ouais, on en a aussi, marre hein. Carry par la luck. Ouais peut-être pas tant. Hein. Ah ça y est, là d'un coup, alors que soudainement le skill se rappelle. Mais attends. Drunkman. C'est vrai que je suis une merde en fait. Non mais c'est pour YouTube. C'est pour YouTube, c'est pour leur donner du suspense. Là c'est ça. Vous savez, je ne suis qu'un comédien. Je suis un animateur, voilà. Au défaut d'être un amateur. Ah oui, c'était l'or. Non, ça c'est d'où tu viens, parce qu'il y avait à gauche. Oh, quel dommage. Bandicoot. Bandicoot. Ah, c'est dommage. Ouais, j'ai vu, c'était à gauche, c'est ça? Je pouvais y aller? Non, c'est avant ça, avant le grand saut, en gros, tu... Bah, tu vois, en haut à gauche de la map, t'as un espèce de petit truc qui dépasse, qui sert à rien, bah c'est ça. Coupé par là. Ah, je vois ça, ouais, je vois. Mais t'as un petit saut, quoi. Dans l'angle droit, quoi. Ouais. Bah, y'a que ça en même temps, donc. Mais... Putain, la marche arrière, je pense qu'elle me retourne le cerveau, hein. La marche arrière dans ce jeu, le coup de devoir faire la direction en même temps, là, elle me... Waouh. Je pense que ça va plus vite de restart que de faire une marche arrière. Non, mais on n'a pas besoin de restart. Ah non, évidemment. J'ai pas besoin de marche arrière non plus. Pas besoin de jouer finalement.
Bah oui. Gagnant ne faisant rien. Bah oui, on est Luigi quoi. Après tout, il n'y a qu'une touche. Hein, sur la manette. Est-ce que le bouclier, il fait genre une carapace bleue? Non. Oh. C'est juste qu'elle dure à l'infini. Ok, bon, on va le garder. Hein. Ah oui, c'est là, je vois. J'ai vu. Quand je fais saut là, j'imagine que ouais, je peux aller là-bas direct quoi. Ouais, mais il faut à cette vitesse. C'est-à-dire être au... avoir fait un boost de 3 dérapages juste avant. Facile, ce que je fais tout le temps. Évidemment. Comme quoi, tu commences à choper le timing pour les dérapages. Bah t'as vu. Waouh, qu'est-ce que c'est? Ah, tu lui as sauté dessus. Ah. Ah, dommage. Non, conne. Oh, c'est bon. Elle m'a fait peur, juste. Je crois qu'elle est tombée parce qu'elle est passée dans le vide. C'est pas des carapaces. Là, on est en train de s'ennuyer, là. Le missile qui t'a tourné autour et qui a touché celui devant à la place. Oui. Moi, je trouve ça très juste. On va s'abstenir de prendre des raccourcis. Oh non. Voilà, voilà. On s'abstient. Oh, pour le coup, il est dur, le raccourci, là. Qui va gagner? L'homme ou l'handic? Oh non, 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 non! Oh non, pas la marche arrière! Non, la marche arrière! Oh là là, la marche arrière! Mais c'est terrible! Non, mais ils m'attendent. Nous en rajoutons casu. Bien sûr. Il aurait pu se passer un truc de ouf. Il s'est pas pris la TNT, mais donc bien intelligent ce dino dingo. Dingo deal. Dingo deal. Ah, c'est... Mais non, j'ai une carapace bleue. Ah, peut-être. En plus, elle va toucher tout le monde. Il y a quand même un petit peu de honte. Hein. C'est quand même un peu honteux hein, ce qui se passe là en ce moment. Alors peut-être. Bandicoot! Oh, c'est dommage. Hein. Ah, le Bandicoot! Non, mais c'est à cause de la marche arrière. Ah, en soi, oui. Ah, ça y est, c'est la première course, on a de la misère. Il suffit d'appuyer sur la touche bas du D-pad. Comment ça, la touche bas? Pas pour reculer. Ah, oui, oui, oui. Non, mais je n'y arrive pas. Peut-être que dans leur tête ils se disent ouais les gens ils mettent le stick vers l'avant pour avancer et du coup tu t'y prends vers l'arrière pour reculer, je sais pas. Alors que ça marche pas du tout comme ça. Ah c'était... Il y a quelque chose hein encore, il se passe des choses. Ah, t'as drifté le long du bord, on aurait cru Mario 64 qui clippait. Ouais, on aurait cru à un truc là, ouais. Mariole quoi. Ah, c'est ça. Comme quoi ils ont vraiment tout volé à Mario. C'est comme Mario, quoi, même finalement. Les bugs, hein. Même les bugs, c'est comme Mario. Vous n'avez pas honte? Ah, c'est dégueulasse. Oh, quoi? Oh, ça, par contre, c'est dégueulasse. Ça, je passais. T'as quand même bien sauté dans le vide, hein. Je passais. Oh, alors que voici venir mon Joker qui ne touche personne. Que le premier, du coup. C'est vraiment l'item qui passe de nul à craquer. Ouais. Alors que Coco devient possédé par la connerie. Qui a pris les fruits de pas? Coco. Visiblement. Ah, d'accord, Engine. Peut-être toi. Non. Ah, c'est... Ah, j'ai l'impression de vivre un remake de... En fait, je vais arrêter de drifter, peut-être. Comme vous le dites, AD. Peut-être que, vu que je drift, peut-être que je joue mal pour qu'il joue mal. Je pense pas. Je pense
ce que leur IA est fixe pour le coup, à part pour les raccourcis. Ah bah c'est qu'ils deviennent bons quoi. Bah en fait si t'es trop devant, bah ils vont se mettre à accélérer d'un coup, c'est un peu comme dans Mario Kart où ils trichent, ils se téléportent les ennemis. Oh, faut pas être bon quoi. Ah et ça j'arrive jamais à le faire alors que je suis sûr que c'est possible. Moi aussi mais c'est juste que tu sautes trop vite dans le vide. En fait quand tu driftes, faudrait que tu penches le stick dans le sens opposé où tu driftes pour essayer de faire une sorte de ligne droite. Pour pouvoir le faire plus facilement et moins tomber dans le vide. Oh, vous m'avez parlé trop techniquement là. Essayez de faire une ligne droite quand tu driftes. Quoi. Au lieu de suivre la courbe de ton drift ouais. Avec ton stick. Non, c'est vraiment vrai. Oh, vous avez fait exprès. C'est pour l'entertainment. Tout ce stream est une mise en scène. Évidemment. Ah, alors c'est que bien. La potion part très droite, hein, on l'a vu. Un peu trop droite, te plaît. Potion de droite, hein. Seulement elle était de gauche. Bon, maintenant quand c'est pas Crash, c'est Coco, c'est ça qui se passe. C'est ça. En même temps, t'as bu les Crash toute la game. Oh, bah en même temps. Ouais, mais. Ça reste un Bandicoot, hein. Non, quoi ? Comment ça ? Oh, attends, mais il m'a fait chier. Sabotage. Il m'a explosé à côté. Il est venu à côté de moi pour exploser à côté de moi. Et là j'étais Void, on sait pas pourquoi. Mais. Oui ça m'a jamais arrivé ce Void. Ouais voilà. Donc bon de toute façon c'était perdu. Eh hey, vous savez, non mais c'est fait exprès. On a mis. En 3 heures on a fait 3 mondes la dernière fois. Donc là on va mettre 3 heures à en faire le dernier, allez. Voilà. Non, mais tu pouvais rien faire contre un Bandicoot. Bah non. Ou à Polar. Bah c'est ça. Ah d'accord, ça alors que Polar envoie son missile dans le vide. Complètement con. Oh mon dieu, le crash. Ah, il s'est pris la misère dans la gueule. J'aurais cru que le missile l'aurait pas touché vu qu'il était encore dans ses frames d'invulnérabilité. Bah si. Finalement, faut croire que non. Faut croire que si tu te fais bully, tu peux te faire bully enchaîné, quoi. Un peu comme mourir d'amour enchaîné, mais en se faisant bully. C'est le tigre, le panda. L'ours polaire qui sont premiers. Ouais. La course n'a aucun sens quoi. Non. Ah il faut vraiment. En fait si la barre est verte, quand t'appuies sur le bouton, il se passe rien du tout quoi, ouais c'est ça. Je crois que c'est rouge. Non, j'étais premier Bandicoot. Ah non. Au moins t'as récupéré tes pommes. Oui. C'est davantage. Ah, tu vas avoir une poule électrique. Il les balance toujours de bien droite. Hein. Non, mais c'est ça, je trouve que la difficulté a step up, mais vraiment d'un coup en fait, entre deux mondes, j'ai pas compris. Après, c'est peut-être la reprise aussi, peut-être que le monde 3 c'était déjà step up, mais je m'en rendais pas compte. Je sais pas, bah ça. J'ai eu l'impression qu'ils étaient étonnamment trop faciles sur le monde 3. Sauf c'est d'avoir fait tout en une session, l'IA avait pas eu le temps de se boot, faut recharger la save. Oh non, on aurait pas dû recharger la save. Ça se trouve, c'est ça. T'as de la chance de pas tomber. C'est du talent. Oh ah, la bombe. Quand t'as du talent pour esquiver les caisses, là oui. Ouais. Eh oh. Ça on avait remarqué. Ça, voilà. Petite boule électrique là. Petit truc craqué là. Ah. Très bien ça. Voilà. C'est honteux. Full chat. Franchement YouTube, n'hésitez pas à l'insulter. Surtout genre la bonhomme. Évidemment.
Et cette fois-ci, rien ne m'empêchera de gagner. Mordicoute ! N'empêche, on voit que sur mes temps, je suis relativement constant. La prochaine course est pire. Yes ! Le boss final, il est pire ? Trouve la pire map, c'est la prochaine. Yes ! Après, il y a d'oxyde escalé. Voilà. Bon, bah, c'était juste la course en haut, quoi. Bah, c'est juste là. Ah oui, la course qui n'est décernée à personne. Hein. Hot Air, sacré personnage. C'est l'équivalent de la course arc-en-ciel, je dirais. Yes. Ah, ça va être amusant. Avec beaucoup de vide. Hein. Oh, c'est la course du boss final, ça. Ah, je reconnais ça. Ah non, c'est la course de Pinstripe. Oh, merde. On va s'amuser. Alors, la tâche, dans le doute, j'ai sauté dessus. Je sais pas si c'était dangereux. Mais non, dans le doute, c'est juste du décor. Mais c'est amusant. Oh, j'ai réussi à faire un trou. Oui. Ah, par contre, après trou, il se passe plus rien. Oh là. Oui, ça dérape vite. Ah, il y a un raccourci à droite. Ouais. Et il est pas si évident que ça à prendre. Faut vraiment bien timer son saut. Ah, ça doit être facile alors pour moi. Tout le monde qui se fait muni devant moi, c'est génial. T'as eu de la chance que ça touche tout le monde. Hein. Ouais, mais bon, si tout le monde me rattrape, ça va. Oui, c'est ça. Ah, d'accord, il y avait ça, d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose à gauche? Ou juste de la merde? C'est pour après. Oh mon dieu, la course est incroyable. Hein. Par contre, j'aimerais savoir pourquoi je suis sixième. Peut-être à cause du nombre de fois dans que t'es tombé dans le vide. Bah non, ça n'a rien à voir. Quand on parle du fait que le jet te des items de merde quand t'es cinquième et quand t'es deuxième, il te donne les meilleurs, quoi. C'est la logique, ça. Non mais c'est la technique, rester en arrière, comme ça ils vont se buller entre eux. Et j'aurai plus qu'à aller en avant. Ah ouais, effectivement. Ils prennent le raccourci en tout cas. Hein. Ça prend le raccourci. Ah, hein. Il semblait qu'ils le prenaient pas tant que je le prenais pas moi. Bah écoute, c'est l'avant-dernier niveau. C'est bon. Avec un raccourci. Par contre, j'ai jamais eu un seul flou bon pote depuis le début. Est-ce que tu peux s'en inquiéter? Arrête de tomber au même endroit, c'est embarrassant! Oh, ils sont. Oh le bol. Esquive caisse, hein. Esquive man. Et pour le coup, c'est le genre de jeu où quand t'es premier, t'es tranquille, mais encore pire que Mario Kart 8. Hein. Ah ouais. C'est très dur de te faire rattraper quand t'es premier. Merde. Oh le Cérégène juste derrière devant de. Voilà. J'étais passé le Cérégène quoi, c'est bon. Une fois de plus. Hein. Pour le coup, quand tu joues en online avec, enfin sur le remake, tu peux pas jouer. Tu peux jamais jouer. Ah non, mais juste les gens sont trop forts. Encore pire que Mario Kart 8 où les gens tryhard à mort. Ah ouais, quand même. Ils veulent leur vie, quoi. Ah bah, c'est ça. Oh mon dieu, mais comment ils font? Ils ont tous pris le raccourci, visiblement. Mais quoi? Oh, crash et coco quoi, mais regardez-moi ça, voilà. Alors, est-ce que ça va retrouver une petite boule d'énergie, là. Lâchez votre pronostic dans les commentaires YouTube. Hein. Allez-y. Est-ce qu'il va force drive? Magnifique lancer de bulles. Ah, c'est bon. Attends, touché une caisse, c'était beau. C'est fait bomber pile dans le bon moment, là. Et tu l'as touché avec la TNT. Non, bravo. La pire course.
Bon, on verra contre Pinstripe là. Hein. Ça va être ça le réel problème. Voilà, hein, voilà. En réalité. Voilà. Voilà. Il va prendre tous les raccourcis, quoi. C'est surtout l'objet qu'il utilise. Oh merde, je crains le pire. Ta gueule. Ah oui, un atrophie, hein, effectivement. Bravo, Lady. Ah, c'est la dernière course, hein, en plus. C'est parfait, c'est tout droit, regardez ça. Je vais être très sport. Dans le sens où je vais les enlever juste là. Vous allez voir. Ça va donner que du bon. Hein. De toute façon, c'est que des pixels de base. Ça va. Bah oui, c'est juste des pixels. Ça, c'est de la PS1. C'est bon. C'est bon. Nous sommes dans Oxide Splomp. Oh mon dieu, la map, ça a l'air d'être incroyable. C'est un peu le bordel. Bon, on va aller au hasard. Ici. Et du coup, le skip dont je t'ai parlé, c'est genre juste là. On se croirait dans la citadelle de Goyle et Maillard. Ça, c'est effrayant. Ou dans le canal Lavic, peut-être. C'est peut-être plus mieux le canal Lavic. Je pense c'est parce que t'as pas tes lunettes que tu dis ça. Bah, on dirait tous des tunnels qui vont les uns dans les autres. Comment ça? Ah, des fruits. Pourquoi il y a une musique à la Crash Bandicoot 2? Non mais je vais que dans les fruits, même pas. Ah, tant mieux, c'est le mieux à faire au début. Et ensuite tu prends les objets. Tu casses la gueule quoi. Ah bon, ça. Je vais utiliser... Oh mon dieu, la lune. Je vais utiliser cet objet inconnu. Ah, qui était la boule d'énergie. Ah ça va, il y a cette seule item bleu du jeu. Ah non, il y a la boule bleue, c'est vrai. Je vais par là. Hein. Elle a un peu bougé, c'est magnifique. Finalement, il est troisième, on lui donne 3 missiles. Hein. Taisez-vous. Mais sans commentaire. Tout peut arriver. Non. Respire. What? C'est quoi ça? Soit c'est mes yeux, soit elle volait. Voilà, elle vole. Hein. Donc c'est quoi le skip? Ça consiste en quoi? À sauter dans le vide à un endroit très précis, sauter par-dessus une rambarde. Ah, ça a l'air compliqué votre merde. Et arriver directement dans la dernière recrutie. Ah oui, là où il faut descendre tout. C'est ça. Et là on y va direct. Au début là-haut, t'as la grande boucle. Non mais je vais finir premier. Sans mes lunettes. Ce qui sera. Ah, c'est que des pixels. C'est que des pixels. Enfin, c'est la preuve pour Lady que c'est des pixels. Quoi. D'accord. Apparemment, on peut pas rebondir tout le temps. Hein. Pas droit au plaisir. Hein. Un peu étrange. Ah bon, il s'est passé un truc étrange. Ah bah ça. D'habitude. Faut vraiment pas là. C'est pour ça que mes items puent la merde. C'était pas une raison pour le balancer non plus, idiot. Alors je le jette. Je le jette. Allez. C'est de la marte. Il y a une petite boule d'énergie là. Petit masque. Ah, c'est 7ème. Ah, c'est déjà le dernier tour. On a vraiment du plaisir dans cette course. Toujours la petite fiole qui vole. Elle est encore là. Bah, personne ne la prendra jamais. Donc, bon, c'est sûr qu'elle va rester là. Hein. Oui, bah oui. Ça paraît. Mais c'est encore Coco Bandicoot. Est-ce que c'est Crash devant pour rigoler? Quand quoi? J'ai touché personne? Tu l'as tiré dans le mur. Bah y'avait pas de mur! Le missile part de devant toi, t'étais orienté vers la droite. Donc bah il est parti à droite dans le mur. Bah oui, mais je suis toujours de droite. C'est ça qui se passe, bah, quoi. Oui. C'est ça votre plus grand problème. C'est d'être à droite. Il a un seul problème, il est à droite. À défaut d'être à droite. Alors peut-être. Oh mon dieu, mais je l'entends la connasse et je sais pas où elle est. Ça m'angoisse. Ah, je vois rien, il y a des rambardes. Je vois R. Je vais paniquer à l'idée d'en faire trop. Je vais rentrer en collision littéralement avec toi, Coco, pour le coup. Ah bah ça va. Hein. Encore une fois là. Faut croire qu'elle aime ça. Mais c'est bientôt fini, elle est où la ligne?
Ah, elle était là. Quoi, le lancer de bubule qui t'a sauvé, ah, bravo. Merci, Lady. Bon, du coup, j'ai rien compris de la course, c'est ça qui est bien. C'est que ce sera comme une découverte. Ton lap 1, t'as fait une 19, ensuite une 28, ensuite une 14. C'était un peu chaotique. La constance. Eh oui, mais tu vas pouvoir voir Pinstripe. You call that racing? Forget about it. If you's gonna face Oxide, you's gonna have to get past me first. Ah, TG. Sa bouche m'a toujours perturbé. Ça rappelle un peu les orsambos de Spyro 4. Hein. Ah bah ça, hein. Pas vrai, Spyro. Bon, il utilise une carabine, c'est ça? Bah non, un item qu'il y a dans le jeu, voyons. Le bouclier, comme ça on peut pas le toucher. Bah c'est pas son genre, il est plutôt agressif. Des missiles. Dès qu'il passe devant. Ouais. Dès que tu le dépasses, il fait des missiles quoi. Ce sera une surprise. Go! Oh des bombes! Lampe à huile. Corps de bombe. D'accord, fort. Par contre, faut arrêter de faire l'amour en nous, hein. Magnifique à peu près de mort. Oh là là, oh là là, ça aurait pu être du génie, mais ce n'était que de la merde. Bravo, mais en fait non. Ah bravo, pour te récompenser, prends cette bombe. Bah les routes sont un peu étroites quoi, enfin, surtout sur la fin. Y'a pas un skip là? On peut faire du skip. Ouais, le seul raccourci qui passe, c'est celui que t'as pris. Va falloir faire avec. Pardon? Ah bah oui, bah il lance des bombes en continu, donc les missiles ne servent à rien. C'est ça qui est bien aussi. Ah c'est que cette fois-ci, la chance ne pourra pas me sauver. Non! Mais c'est nul ça par contre, il fait pas, il repart pas sur une petite série 3. Bah il faut lâcher le dérapage et le relancer. Oh! Faut appuyer sur trop de touches. Ah, une seule. Bon, au moins il peut pas prendre d'objets, hein. Non, bah non, ça va encore quoi. Une explosion plus loin. T'inquiète. Un truc. C'est une bombe du début. C'est la NES. C'est de la NES. L'avant, c'est la. C'est l'arrière en fait. Ça peut être ça. Enfin, faut peut-être les spammer, hein, comme à l'époque. Je dirais plutôt de les balancer dans les virages. Ouais, ok. Virages, oh, je l'ai eu. Oh, le débile. Il s'est fait toucher par ses propres armes. Ah, d'accord. Virages, il a moins tendance à balancer ses armes, ça, donc. Ouais. D'accord, mais je rigole, je sais pas pourquoi, hein, mais ça me fait peur. Parce qu'il te rattrape. En train de prendre du plaisir là. En même temps, ces trucs qui. Oh là là! Ah, oh, quel homme! Hein. Pour le coup, il était bien collé à toi. Comment ce raccourci n'est pas si dur que ça? Vous m'avez menti, Adé. Je comprends pourquoi tout le monde le prend. T'as le bon timing, tout va bien. Faut juste pas sauter trop tôt. Je ne fais qu'un avec le jeu. Je suis devenu pro. Je suis devenu un pro gamer, quoi. Bonne chance que le boss final, c'est pas Cortex, en fait. Sinon, bah, sa course, j'aurais morflé. Oui. La relique dessus va être fun. Bien sûr. Bon, là, je pense que j'ai fait de la grosse merdasse. Ah, même le CTR, je pense. Il est dans le raccourci dans le château de Cortex. Ah, ah. Bon bah on fera pas le 100%, c'est décidé. Ah mais tu peux prendre le raccourci à l'envers, hein. Mais bon, tu perds 10 secondes quoi. Ouais bah oui, c'est là tout le problème. Bah ouais, ça y est, il arrive. Qu'il soit amélioré. C'est vrai. J'ai pas été malin. Eh non. Parce que les TNT, eux, ils sont fous. Bon, j'ai fait un tour où il est resté constamment derrière et là, du génie. C'est fini. Il est tellement gentil qu'il fait aucune bombe d'ailleurs, hein, alors qu'il est pourrait m'enculer 10 fois. Ouais, il en lance, hein, mais il te rate. Je sais pas par quel miracle, je les esquive ces bombes, mais pourquoi pas. Il les lance dans les murs, littéralement. Watch your back. Ça, c'est moi qui rigolais. J'ai reconnu. Je connais mon rire.
Oh là, pour mon quoi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Là, c'est pour ça qu'il y avait une fille. C'est quoi cette merde? Quoi? Mais je demande pardon. C'est forcément une fiole que t'as laissée. Hein, mais pourquoi? Mais pourquoi elle vole? Pourquoi tu l'as mise là? Pourquoi j'ai mis ça là, quoi? Oh, j'ai mis tant de merde partout. Voilà. J'ai mis la potion volante, quoi. Il se sabote lui-même. Mais pourquoi il vole? Il est censé atterrir. Je sais pas. Je pense que quand tu la poses derrière toi, ça la pose littéralement où elle est. Oh là là. Et c'est gagné. C'est gagné. Mais c'est facile. Finalement, ça va. En fait, à part le château de Cortex, ça va. T'as presque eu du mal sur lui. Hein. Mais il a visé quand même à demeurer aussi. Ah oui, c'est encore la chance, quoi. Oh mon dieu, il ressemble à rien. Pardon. Non. Il a une voix de merde. Oui. D'accord. Est-ce que Kakash est en stream, Lady? Ça va, en vrai. Ah, par contre, je voulais pas aller directement faire le boss final, là. Faut quand même qu'on s'amuse. Ah bah, de toute façon tu peux le faire, il y a deux endings différents. Christopher, oui, ah. C'est donc lui qui pique tous les viewers, quoi. Bon, j'ai gagné les 16 trophées, je suis quand même heureux, hein. Plus que le reste à faire. D'ailleurs, t'as le jeton violet, là. Ouais, bah justement, je vais aller le faire. C'est ça que je vais aller faire. Donc c'est évidemment ici le quatrième hub, hein, on reconnaît. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des marqueurs spéciaux sur la carte pour identifier où on a fait ces terres, où on a fait la merde, où on a fait... Je pense qu'ils redeviennent peut-être grisés les points, moi je suis pas sûr. Ah non, là lui il est jaune par exemple, il lui reste que la relique. Ah le rouge... Bah ouais, je sais pas. Je me fais trop gaffe. En tout cas, quand t'as pas fait un niveau encore, il est arc-en-ciel. La nuit trop court. Ça va être super. Alors, rien que le nom, ça donne une envie, mais folle. J'espère que t'aimes bien les labyrinthes. Ça va être facile. Christopho, on va l'appeler. Ah. Le maître des labyrinthes, effectivement. Voilà, voyez. Donc ça nous apprend à faire la marche arrière. C'est évidemment là le tuto du jeu pour la marche arrière. Le petit jump. Hein. Bah oui, c'est une technique. Les speedrunners font pareil. Hein. C'est vrai? J'en sais rien. D'accord. J'ai jamais regardé le speedrun de ce jeu. Ah bah justement, on pourra. Ah. Oh là là, mais c'est vrai, en plus ça marche. Ça marche! Oh, tu sais, t'avais une pompe. Une quoi? Hein? Une quoi? Des bombes. Ah oui, c'est vrai, j'ai des bombes. Ah bah, ça va pour ça. Ah là, par contre. Y a pas tant de gain de temps là. C'est pas terrible là. Ah là, c'est pas ouf hein, ce qui se passe en ce moment là. Ah, plus qu'une minute vite. Bah, ça va. Paniquer pour rien. Mais c'est pas du tout un labyrinthe en fait, c'est une map très simple. Ah oui, hein, c'est juste t'as les angles et quelques bords. Tout va bien. Ah, ils en ont foutu deux là. Je me croirais dans mon permis, bien sûr. Permis imaginaire. Si tu peux appuyer sur la touche de l'objet pour le récupérer plus vite. D'accord, bon, c'est pas grave, hein. Pas comme si c'était rien passé. Oh, il est où le dernier, par contre? Ah, ça. Ah, je l'ai vu, il est à droite. Bon. Ouf. Tournez. Ouh. Il est vraiment tout au bord. À droite. Mais... Il était à l'extérieur. On le voit, il y a deux pixels roses. Deux là, pixels, bah voilà, duel. Deux pixels. Non, mais on va d'abord faire tout l'extérieur, comme ça. Hein. Ou ça, là aussi, ça marche.
en première essai, ça allait. C'était propre. En vrai, ça va plus vite de se faire casser la gueule, je pense. Je perds pas de temps quand je me fais exploser la gueule, on est d'accord? Non, non. Bon. Bah, normalement, enfin, je perds pas de temps. Voilà, le temps de l'impact, mais... Oui, bah, oui. Mais ça te retire pas de temps. C'est ça. C'est pas genre un moins 5 dans la tronche quand je... Ah non. Ce serait doublement punitif. Empêche cette stratégie extraordinaire qui consiste à se prendre exprès la nitro dans la gueule pour aller d'un mur à l'autre. Ça marche très bien. C'est encore une technique à la Zelda, ça. Ah, par contre, ça marche moins bien. Je pense que j'avais plus tout à l'heure, hein. C'est un peu angoissant. T'en avais une ou deux de plus. Mais bon, en même temps, t'as fait les plus éloignés. Ah, t'as un tel cristal, je crois. Non, c'est pas vrai. Là, c'est bon, tu l'as. Non. Une fusible. Là on veut pas. Voilà, on veut pas aller dans. Prendre le raccourci là, voilà. Voilà, grâce à la méthode d'encercler son adversaire bien sûr, pour faire des plus petits ronds après, eh bien nous en sortons. Et voilà, les trois derniers, c'est des merdes. C'est des merdasses qui me manquent. J'ai évidemment raté la intro car je suis un artiste. Et voilà, easy one. Ah, GG, 16 secondes. Hein. Rendez-vous compte. Ouais. Purple Pain. Ah, Purple Pain. Ah ouais, ça a été une souffrance. Everything is purple, effectivement. Bon, bah, on va au moins faire cette gemme-là, écoutez. Hein. On va faire, après, on va finir le jeu. Et après, on verra si j'ai la foi de faire autre chose dans ma vie. Voilà, on va dire ça. Alors, je sais pas c'est quoi la gemme violette, je connais pas les circuits qui dorment dedans, mais... On va voir en quoi ça consiste une gemme. Faut être premier pour gagner la gemme, c'est ça? Oui. Et c'est aussi une course qui a des reliques, ou non? Non, c'est juste des gemmes. D'accord. Par contre, cette carte, y a pas moyen de se TP plus vite? C'est long. À chaque fois, c'est toujours long. Si tu conduisais mieux... Bah, qu'est-ce que vous pensez que je fais, là, hein? Mon but c'est de prendre le tour le plus long bien sûr. Player arqué. Hein. Ah oui, il y a juste la gemme à gagner. Purple Gem Cup. Bon bah qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Et quand on a les gemmes de couleur, qu'est-ce qui se passe? Tu débloques un circuit qui était à côté du truc où il fallait aussi. Ah c'est ça le x5. Oui. Bon. Un circuit où il y a... Quoi track 1 sur 4? Ah non, 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 c'est un grand prix, ah non. Non. Ah, c'est celle des 4 boss. Ah. Oh non, non, non. Oh non, c'est... Oh non. Tu vas bien t'amuser. Oh non. Bon, après, il y a un classement, donc faut pas faire premier à chaque fois, quoi. Bah, non. Parfois, ça dépend de l'IA qui est devant, quoi. Mais en théorie, c'est facile. Oui, vu qu'on est au début du jeu. Déjà. Mais après, t'es contre les 4 boss quoi. Comme ça, on va avoir l'augmentation évidente de mon skill. Pardon ? Ah, vous êtes que ça ? Non, pardon, monsieur. Non, mais j'aurais des items qui raquaient. Ah, comme là. Après là au moins les boss ne trichent pas, ils te balancent pas des items à l'infini, ça aurait été un peu le bordel. Voilà. Non mais c'est juste leur player. Et voilà, il suffisait encore d'une honte quoi. La fraude. Ah d'accord la bombe, salut Crash Bandicoot. Allô. On est en train de faire le Grand Prix. On a bien avancé dans le jeu. On est devenu un champion. Ah oui. Il a pas du tout galéré sur le château de Cortex. Mais sinon le reste il a first try. Étonnamment. Ah. Je pensais que vous aviez dit qu'il pouvait pas balancer d'objets. Ah non, il balance pas d'objets à l'infini. Mais t'as bien vu qu'il t'en lançait plus de début. T'avais pas Polar? Non. Néo Cortex. Ah bah non. Toujours les méchants. Oh!
Comment ça, ça peut pas aller plus vite de faire ça? Comment ça, les trois tours? Comment ça, les trois tours sont terminés? Quoi? Déjà? Ah oui, c'est les tours de 30 secondes. Merde. Ah, j'ai gagné que 3 points. Ah, la fraude a failli passer, hein, c'est dommage. Ouais, mais j'ai voulu. C'est ça, mais je suis encastré dans les eaux. Je me suis encastré dans les eaux. Bon, 3 points, ce n'est rien. On peut se rattraper. Pas sur le niveau prochain que tu vas gagner les points. Ah si, la mine, là. Ah si, c'est la course de merde. Oh non, c'est les Aztèques. La pyramide de Papu. Bon. Merci. T'étais premier, t'as donné la boule électrique, c'est pas mal ça. J'aurais pu moto boule électrifier là. Non, c'est pas comme Mario Kart. C'est juste. Oh, le connard! Connard. Reaper le con. Tiens, prends ça, papou papou. Oh mon dieu! Le premier chemin, juste elle disparaît dès que tu la lances. En fait, ce masque il sert à rien. Bon, vu comment tu t'en sers, oui. Eh oh! Tu l'as tout le temps, mais. Après, il t'augmente ta vitesse comme une étoile. Imaginez le joueur de Mario Kart là qui a une étoile tout le temps et qui bat dans les murs avec l'étoile. Ben voilà, c'est Zelda. Il a un objet, plus il touche les coups, c'est beau. Plus l'item est merdique, plus il est... je m'en sers efficacement. Pour les missiles, ça va, c'est compliqué de mal s'en servir. Par contre, les fioles... Attention la fiole, hein. Attention la fiole volante, là. Je scrute la fiole volante, hein. Ah, il va pas faire premier sur ce circuit, oh, quand même. Non, mais ça, c'est injuste. Ça, c'est scandaleux, là. Wobo combo. Et je suis que troisième malgré ça, hein, ça m'étonne. Moi, il y en a un qui s'est arrêté en plein milieu du circuit, je comprends pas trop. Il a arrêté. Il a pas bougé pendant genre bien 5 ah, secondes. Ah, un masque, j'ai hâte de bien l'utiliser. Non mais le quatrième et le cinquième, jamais ils peuvent te rattraper en fait. Ils tombent dans le vide en boucle, j'ai l'impression. Bah tant mieux au moins, ça m'arrange. Bon, regarde, le quatrième est au début du circuit là. Oh, il y en a un qui s'est pris ma popo. Ah... En one one. J'ai fait que l'imiter. J'ai rien fait de mal. Non mais est-ce qu'un jour il va faire le virage? Oh le coup que quand c'est la barre rouge là, ça c'est agaçant. Les deuxièmes c'est pas mal. Ouais c'est déjà pas mal. Mais les IA se sont toutes suicidées, ça n'avait aucun. Ah mais les IA, je sais pas ce qui s'est passé là, mais là je gagne 6 points quoi. Est-ce qu'on a les totos? Déjà. Ah les totos. Ah je suis 3ème, ça va, je suis constant. C'est la merde, hein. Papou il gagne tout là. Papou, mais Papou en même temps il y a... Riche. Ah pourtant c'est celui qui a le plus de handicap. Hein. Son kart il va moins. Il a pas de bras. Non. Un gros bloc. Un peu à court. Oh. Ah, encore une fois. Non, ça, ce coup-là, quand c'est rouge, là, c'est un coup à prendre, là, le virage. Évidemment, à côté de moi. T'es bien resté collé, hein, quand même. Ah oui. Ouais, c'est un timing à choper. Et des fois, il faut attendre un peu plus longtemps que d'habitude. Oh, cette course est si rapide. Mais oui, c'est ça, c'est pas pareil. Ah, c'est surtout, des fois, ça t'avantage mieux d'attendre un petit peu. Genre Ah bon, j'ai cru que j'allais avoir un turbo, j'ai piffé, hein. Je me suis dit allez j'aurai un turbo. Dans tous les cas ça t'aurait pas sauvé. Bah si. Regarde, j'utilise les roquettes voilà de façon super efficace. Je vois ce wagon qui passe derrière les murs. Et tu peux suivre le chemin du wagon aussi.
s'amuser à faire ça. C'est pas un très bon raccourci. Mais tu peux. Je peux. Papou qui s'est tout pris dans la tronche là. Faut focus le premier. Bon. Bah écoutez, hein. Comme d'hab quoi. Pas besoin de fouiller. Hein. Pas besoin, hein, pas besoin de bien, pas besoin de bien jouer. Oh le connard! Il m'a piqué devant moi le truc là. Ah le salaud, bon après lui, il a pas beaucoup de points je crois. Ouais lui c'est de merde. Deuxième, je crois. Creeper, la merde, quoi. Oh, arrête de piquer mes objets! Et arrête de te faire écraser par les wagonnets! Les autres sont pas loin. Ah, bah écoutez, je le sais. Non, mais là, on va avoir un masque et on va gagner. On va passer derrière, là. J'ai eu le masque en plus! Mais quel tricheur! Ah, on est. Attention! Ah, là, à mon avis. Où se joue? Ah, c'était Komodo qui était. Tout va se jouer. Bah, tu finis deuxième et pas pour. Tout va et... se jouer ici. T'es obligé de faire premier en fait. Exact. Ce que je n'ai jamais fait. Mais grâce à la technique de prendre le raccourci, tout va bien se passer. À moins que ce soit. C'est qui bah, Pinstripe qui passe premier et toi deuxième, c'est bon. Mais ça paraît compliqué. Mais on va faire premier, pourquoi vous vous dites toujours hein, partez du principe que je serai pas premier, là. Ah non, j'ai jamais dit ça, c'est toi qui l'as dit. J'ai juste dit que ça allait être compliqué. Mais bon, t'es tellement fort à ce jeu. Bah oui. Regardez, plus rien à prouver, là. Prennent le raccourci, eux. Merde, ils sont pas comme Pinstripe, quoi. Pinstripe, ils prenaient pas les raccourcis. Le Pinstripe, c'est une merde. Pinstripe, ouais, derniers, exact. Ouais, non, mais c'est le seul qui a le droit d'être premier, il reste dernier. On est en train de s'emmerder en ce moment. J'espère que vous aimez cet emmerdement. Hein. Bien évidemment. J'espère que vous aimez le fait que j'ai des bombes. Oh, ça t'a même pas donné d'objet ta bombe, c'est honteux. Bon, ouais. Tente de devenir bon, hein. Non, mais ça va, oui. Oh, cette fraude. C'est scandaleux. Il a même pas pris la fraude. Oh, le con. Non mais il faut tout pour te donner la victoire là. Le jeu a pitié. Au moins je suis pas le seul à avoir pris dans la tronche. Quoi? Comment ça se fait qu'il redémarre après avant moi alors qu'on s'est pris tous les deux un truc? T'inquiète. Ouais, par contre là le jeu il est en train d'être en mode ok on va pas le laisser gagner en fait parce que là. Oh et puis te donne un missile de merde. Là je pense que le jeu il faudrait 3 masques d'affilée là au moins. Au moins, ouais, bah ça c'était un peu difficilement esquivable, hein. Je peux passer à droite, genre. Non. Je ne couperai pas le virage sinon, ok. Boule. Où part la boule? Ah, d'accord, elle a fait un petit. Mais oh, tu vous as arrêté les missiles ou ça se passe comment? Ah, il va faire 5ème. Pinstripe va le battre. Non mais attends, il y a que des missiles là, c'est quoi cette connerie? Pourquoi? Ah, je croyais que c'était le dernier tour. Mais non. Bon, c'est bon, allez, le temps de choper 10 masques. La course est si violente là. Mais il est tellement loin le premier, qu'est-ce qu'il a branlé? Bon, qu'est-ce que vous avez branlé? Bah, je me suis fait toucher par 20 missiles. Bon. Allez, va le niquer. Oh non, papou, c'est pas le moment. Hein. T'arrêtes. Il suffit. Pourquoi ils ont d'office plus de vitesse que moi? Allez, une petite fiole qui vole, là, ça fait longtemps. Hop,
peut-être parce qu'ils ont 10 pommes. Bah et moi j'en ai 8. C'est moins que 10. Et c'est bon. Après c'est les stats du perso, bon. Ah ce virage il tue à chaque fois. Salut Dudu. Oh mais quelle fraude. Il était saqué avant au début du tour. Bah GG. C'est lui. Non mais c'est ce jeu n'a aucune difficulté. Sad Panda est critique comme quoi il parle trop. Plus ancien. Oui, ah oui oui, il parle fucking way trop. Bah écoutez. Voilà. Pas les mêmes reacts. Oh le congratulation qui était tellement hype là. Par contre là je suis en mode j'ai gagné quoi. Je l'ai caché pendant. Mais toute la course j'étais comme ça. Hein. Toute la course de tension là. Hein. Salut pseudoin. Ah vous venez de rater ma victoire. Vous venez de rater ma victoire. Ah, évidente. Il a fait une série là, il était dernier, il a inventé premier en un tour. Et j'ai même pas eu tant de masques que ça. C'était juste oh, juste, juste 3. Effectivement, t'en as pas eu 10. Après, c'est grave calmé. Ah, t'as tout entendu. Ah, ça fait plaisir. Ah, bah là, on va faire le boss final à Crash Bandicoot. Ah, non, non, non. On va restart parce que j'étais en train de parler à Crash Bandicoot. Non, mais il démarre avant. Hein. Ah oui, je me t'ai dit aussi, mais attends, what? Pourquoi, oui. Ouais. Ok. Ah bah, il triche. Ah mais lui il peut. Et il balance quoi comme merde? Tu verras. Allez clore tout. Bon, pour ça le problème c'est qu'il est intouchable. Ah il est comme Omar Sy quoi. Bah c'est ça. Alors, ah oui, mais je la découvre cette course étant donné que j'avais pas mes lunettes tout à l'heure. Oui, du coup. Alors, ce canal Lavic. Bah, à part les couleurs. Et là, j'avance trop. Il va te lancer des missiles. Ah, non. Je vais balancer des bombes. Ouf, faudrait viser avant. Moi je lui balançais des missiles. Ça va Ça va monsieur le boss? Je sais pas comment j'ai touché hein, mais tant mieux. Voilà c'est un seul tour c'est ça. Ah dis-toi que là il est plus facile que en mode 100. Ouais bah c'est comme le jeu là. Diddy Kong, Racing. Et pareil, c'est... Oh le... Pas de Ballman quoi. Pas de chance. En plus il en a mis juste devant... Juste une là. Et voilà, et le reste après, oh, non plus jamais. Oh, mais ce passage là il est fait pour gagner la place. Je dirais qu'il est fait pour qu'il me pense des items plein la gueule, mais bon, on va décoller à lui, il a réussi à toucher. Ah oh, bon. Oh, je vais l'avoir, cette potion va l'avouer. Elle ne l'a pas eu. Cette potion va voler, je vais me la prendre. Yes. C'est un peu le boss final de la vie, quoi. Ça. Oh mais comment ça il se l'est pas prise? Je l'ai lancé quoi? Pourquoi? Voilà grâce à la technique du spam. Il t'aurait quand même battu. Hein, si il m'aurait battu quand même parce que en fait lui il ne fait pas juste partir dans les airs, il roule encore même quand il se fait toucher parce qu'il est magique. Oh, oui. Déjà il roule même pas, il flotte. Ah bah écoutez, il pourrait juste aller jusqu'à la ligne d'arrivée en volant, même pas besoin de la piste. Puis bon, battre son fantôme c'est très agréable aussi. Yes. J'adore battre des fantômes qui trichent.
Il est en full dérapage constant. Donc, bah. Bon, on sait que battre le fantôme de Zelda, c'est difficile. On pense pas. Comment oser. Quand je le fais les yeux fermés. Les yeux bandés. Ah, oui. Attention à la fiole. Hein. Ah, attention à la fiole qui vole. Non, c'est bon, elle était pas là. Il n'y avait pas de fiole qui vole. Bah, elle a du spawn. Il y a tellement d'items à l'écran avec Oxygen. Dans... Il a fait de... Il y a overload de la mémoire, quoi. Il est giga loin, qu'est-ce qui branle? Bah, c'est le boss final, quoi. Oh, c'est la fin, je suis fatigué, là. Non, non, quand même. Allez, on va esquiver tous les turbos. Comme ça, on est sûr de vraiment l'humilier. Et là, on s'arrête. Voilà. Et on passe la ligne en marche arrière. Et voilà. Pas GG. Bah, il était fun, ce jeu AD. Ah bah merci. Ah bah j'espère que ça vous a plu. Franchement je m'attendais à pire. Tu vois, m'attendais à pire et ça passe quoi, ça passe. Allez, on va afficher le screamer là juste parce que c'est la fin, voilà. J'ai gagné. J'ai la victoire. Ah, il est pas content, hein, Oxy. Bah même avec ses 4, ses 6 pattes là. Il est quand même plus beau dans son vaisseau. Hein. Mais ouais, allez, on a niqué l'oxyde, voilà. Nique the oxyde. Nique the oxyde, quoi. Et c'est la fin, voilà, mais on a triché, hein, bien sûr. Ah. Mais là, il te dit, ah, mais c'est pas fini. En fait, je suis pas fini. Je reviendrai. Non, je crois qu'il dit faut que tu battes tous mes records sur les circuits. Ça a l'air de ressembler à ça, effectivement. Je suis pas sûr que les jetons CTR sont nécessaires pour le battre, du coup. Je sais pas trop. Peut-être que c'est juste le relais. Ça me paraît très bizarre qu'elle compte pas, quoi, mais... Ah, bah écoutez, c'est la fin. J'espère que ça va... Oh, la danse de Crash en mode... Ah, je vais en profiter pour fermer mes rideaux, hein. Il n'y a pas que Crash, attention. Surtout que là, Dodo, c'est très étrange. Voilà, il est fort, le Zendo. Et petit pas dedans ce cortex là. Tire un peu la gueule quand même. Bah c'est l'heure du 100% maintenant. Fait très mal aux yeux Tiny. Hein. Mais il n'a pas Crash. Et non, il y a c'est ça qui est encore mieux. Raté Cortex. Oh non, mon personnage. Non mais en vrai, ouais, c'était fun. C'est un jeu de course fun et je pense que... j'ai pas joué à Mario Kart 64, mais je pense que je préférerais ce jeu-là à Mario Kart 64. Ah ouais, franchement, c'est sympathique comme... Parce que Mario Kart 64, pour avoir déjà vu des gameplays dessus, je pense que les sprites en mode 2D, là, ça va être trop, trop bizarre. Quoi. Ouais, je sais pas, j'ai jamais joué non plus. Ouais. Oh, c'est quand même... traumatisant. Est-ce que je peux skipper ça? Ah oui, je peux. Je m'en souvenais pas de ces crédits. Je peux skipper. Bon, bah du coup, on va continuer un petit peu, effectivement, parce que bon, ça fait juste 1h10, donc on va quand même continuer un minimum. Faut qu'on s'amuse un minimum d'éclate, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc je vous propose, en fait, de retourner au dernier monde et on va faire les CTR dans ce monde-là, comme ça j'ai encore les courses en main et dans ma mémoire. Pas bête. Faut juste que je trouve c'est où. Ça c'est de plus dur. Puis on verra ce qui se passe au niveau des gemmes de couleur comme ça. Enfin des pastilles. Ton circuit préféré alors. Le tout premier. Non en vrai, j'ai beaucoup bien que ce soit le plus difficile pour moi, celui de. Bah de Cortex en fait. Ouais, bah ça ajoute un peu de difficulté déjà, et puis le niveau est joli. C'est ça, j'ai bien aimé ce niveau-là.
Non, sinon, ouais, c'est ça. Ça resterait pas mal mon favori. Mais moi, j'aime bien tout ce qui est environnement médiéval, château. Donc, ça aide déjà. Un vrai fan de Crash 3. Ouais. Donc là, je fais le chemin le plus long possible hein, pour vous trigger. Et ton niveau que tu as le plus détesté, finalement, du coup ? Le niveau des Aztèques. Ah, impossible. Ouais, ouais, le coup du début, là, avec le truc en angle droit, là, au secours. Hein. Y a même pas de truc quand on a fini le jeu, c'est donc ben triste. Pas de truc, comment ça ? Bah, y a pas de petit symbole en mode, ouais, voilà, on a fini, youhou. On est trop fort. Bon, allez, on va refaire les stages dans l'ordre, c'est parti pour Engine. Ah oui, on peut faire la relique tout de suite, effectivement. Oui. Bon, c'est parti pour... C'est pas les meilleurs niveaux pour la relique. Bon, c'est parti. Alors, je compte sur vous parce que moi, on se souvient. Les lettres, je suis fort pour les voir. Bah, capot de raccourci, ils sont plutôt évidents sur le circuit. Ouais, ouais, évident. Faudrait que ce soit sur la carte pour que je les vois, quoi. On est un dé à gauche, je pense, dès le début, là. Non, je vais pas. Vous êtes un petit plaisantin. Je peux se tromper. Non, c'est une caisse de reliques qui est là, du coup. Ah, on a vu le C. Évidemment, Zelda ne l'a pas vu. Moi non. J'ai vu le R, mais j'ai pas pu le prendre. Je vous rassure, je l'ai vu, hein. Je l'ai vu. Le bandico qui t'a poussé. Voilà, j'aurais dit, si t'avais pas vu le R, hein, quand même. Est-ce qu'il va voir le T? Ah, il va sûrement... ça se peut... Est-ce qu'il est là? Non, il est même pas là, en plein milieu, là. Non, c'est là, sur... à la fin, là, je pense. Ici? Non. Ici? Oh, je l'ai vu! D'accord, je l'ai vu. Ah, enfin, je pense qu'il faut se laisser tomber, ouais. Faut pas sauter. Du coup, le C, il était où? Au niveau d'une pente de turbo. Sur la gauche. Ah oui. Apparemment, il faut être bon, hein. Mais le truc te suit jusqu'au bout du monde, c'est pire qu'une carapace. Ah, c'est une carapace rouge. Ah bah là, oui. Ça fait quand même penser. Je sais pas pourquoi cet environnement-là il me fait penser à du Episcape. Un certain niveau avec les aimants. Je sais pas pourquoi. Non, même pas. Un rire traumatisant. Ouais, ouais, d'accord. Ouais. Je l'ai eu au moins, hein. Moi, je l'ai eu, hein. Écoute, on va pas se chercher pourquoi, hein, mais. Voilà. La lettre était pas au même endroit. Non. Elle se téléporte. Bah, tout à l'heure j'ai eu l'impression qu'elle était sous la pente de boue, c'était bizarre. Donc là, c'était R, Turtle Rocks, évidemment. Un hommage. Évidemment. Donc là, par contre, ce saut-là, c'était quoi ce saut ? Bah, faut sauter au bord. Bah, non. Je restart là, je suis brandé. Ah, peut-être que si j'étais tombé, il aurait peut-être pu réapparaître. C'est très mettre à droite. Ouais. Bah, t'as juste à sauter. Mais j'ai sauté. Bah, pas assez. T'as sauté trop tôt, sûrement. Bah, j'ai sauté au bord de la plateforme. Bah, c'est trop tôt. Oh, ouais, c'était vraiment au bord-bord, quoi. Vous avez raison, hein. Oh là là, cet enchaînement. De mémoire, tu peux sauter en étant à moitié dans le vide. Ah oui, d'accord. Genre, c'est vraiment une idée brillante, ce Zelda de merde, d'utiliser son turbo là-dedans. C'est vrai que c'était un peu con. Mais quelle idée de merde. Et puis, il était infini. Ah, j'avais pas vu ça, moi. On va un tour pour avoir un ERA qui n'existe pas. Ça aurait pu faire ça quand même dans l'ERA, effectivement. Oh, d'accord. Ils auraient pu mettre un ERA où il faut être dernier au début du dernier tour et récupérer les trois lettres et finir premier dans ouais, franchement, tour. Ils auraient pu. Hein. Bien visé. Au moins, t'as plus qu'à te focus sur la course. Effectivement, maintenant, on n'a plus qu'à gagner.
Ça va être difficile. Ah oui, bah oui, ça va être difficile, ça se passe, hein. Ça va être difficile. Hein. Ah non, c'est pour avoir des meilleurs objets. Oui, un masque. Voilà, une qu'une TNT. Très bon objet, ça. On est 6ème. Pour te la bouffer au prochain tour. Exact. Peut-être pas une bonne idée de l'utiliser ici. Toujours pas, non. Mais bon. Oh, il s'est arrêté juste au mauvais moment. T'as eu un petit délai. Le mauvais moment. Repéré à la musique. C'est que ça va se finir, c'est comme les étoiles. Non mais il est deuxième. C'est quoi ce jeu? Taisez-vous, c'est du talent, voilà, et hop. C'est vraiment, il a les deux meilleurs objets en même temps. Moi je me recarte la carapace bleue et l'étoile en même temps. Il s'imagine. Oh non. Vous avez eu peur, avouez. Ouais, mais quand même, tu lances qui là? Ouais, il y en a un qui s'était prise. Ah, c'était peut-être autre chose. Le refilter caméra, je ferai ça après pseudo. Ce sera pas long. C'est le jeu de PSU, là. Ce sera pas long, attendez, je vais vous chercher votre argent, ce sera pas très long là. Faut que je le cherche en arrière. Faut que j'ouvre le coffre-fort de la boîte. Quand je vous ai dit que j'avais fini ce jeu, j'avais 4 ans, je montais pas. Bah oui, à 100%. Peut-être pas. Ah, vous êtes un menteur, voilà. J'avais peut-être fait les reliques. Oh merde, je pensais. Oh, j'ai fait. Oh, what? Hein? Non, mais j'aurai un masque. En tombant du vide, tu peux récupérer un petit boost en appuyant. J'aurai un masque. Ah, c'est ton dignité. Je pensais que de côté, je sais pas pourquoi, mon cerveau il s'est dit non, mais de côté, il y a un truc pour aller. Tout va bien. Pourquoi j'ai pensé ça? Pourquoi j'ai pensé que passer sur le côté, juste, c'était, ça faisait un truc descendant et ça menait au machin? Peut-être parce que j'ai jamais, peut-être parce que j'ai toujours pris cette pente et que je le savais pas en fait. Mais je le pensais. C'est compliqué de la rater, cette pente aussi. Ah mais c'est bon, c'était qu'une volonté, voilà. Non mais c'est parce que la course est trop bien. Vivement le château. Non, mais j'ai gagné là, j'ai gagné 10 fois. Là, t'as perdu 10 fois. 10 fois, j'ai gagné, quoi. Mais quelle honte. C'est honteux, quand même. Ah, c'est dommage, hein. Ah ouais. Non, mais là, ce saut, je sais pas. Je comprends pas, ce saut. Il doit y avoir une espèce de chance, là. Par contre, le missile, un jour, ça atteint, voilà. Je sais pas, le missile qui vivait sa plus belle vie, là. Elle allait trop vite, coucou. Je savais qu'on aurait dû prendre un autre personnage. Oh mais donnez-moi un masque. Oh, pas à chaque fois quand même. Donnez-moi une boule d'énergie, voilà. Au moins une boule, quoi. Ah, c'est bon. Allez. Paf dans le vide. Oh, tout le monde qui se fait. Oh là là. Tout le monde en a pris dans la gueule. Elle a esquivé le 3ème et 4ème quand même. Pour moi, c'est tout le monde. 3ème et 4ème, ça compte pas. Oui, c'est les nuls. C'est des nulos, quoi. Ils vont se faire dépasser à la fin avec un masque. C'est bon, c'est bon, on a obtenu notre boule, hein, voilà, on a eu notre truc. Non mais dans Diddy Kong Racing, je pense que Diddy Kong Racing, t'as envie de te tabasser, quoi, constamment. Je sais plus du tout. Moi j'ai plus le jeu, ça fait longtemps, j'ai eu mon badge et c'est tout ce qu'il me faut. Surtout qu'ils ont rajouté des R1, les cons. Ah non, hein. Il y a des fantômes invisibles. Ça, ce sera pour le tour 3. Qu'est-ce que vous entendez par fantôme invisible? Ah bah des fantômes en jeu mode fait meilleur qu'au autant de temps, en mode score de développeur, lol. Oh ah. Voilà exactement ce qu'il me fallait. J'en avais pas encore eu aujourd'hui. Le subset qu'ils ont sorti sur Crash 3 là. Voilà. Entre les temps des devs.
Poui poui poui, salut Olivia. Ah Olivia, allô. Vous tombez bien. Oh, j'ai trouvé oh comment on va finir ce stream. Oh non. Je peux y aller, je pense. Non mais vous serez pas avec moi, je vous l'ai dit. Ah ouais, mais je vais cringer quand même. T'as fait deuxième... GG. Deuxième place, mais GG Olivia. Ça te fait un temps de combien? Un temps très bon. J'imagine. Non, ah mais ils sont là, ils font les fifous là. On va juste se faire niquer quoi. Oh la bombe qui a tout chrono du jeu. Et tu l'as plus jamais eu le chrono. Oh une main. Non mais on va passer avec le skill. Comme la dernière. J'ai peur que tu sautes dans le vide comme un con. Pourquoi? Attends, est-ce qu'ils sont plus durs ou quoi? Bah oui. Ça me paraît logique. Ah oui, mais c'est Crash Bandicoot qui avait dit qu'ils étaient en mode hard, non? Pour les lettres ou je sais plus quoi. Y'avait pas ça, une histoire comme ça, ou les reliques, ou un truc comme ça? Non, les reliques, t'es tout seul. D'accord. Je sais plus, les reliques, t'es tout seul, oui. Enfin. T'es pas abusé non plus. Enfin. Enfin un peu de solitude dans ce monde de merde. En tout cas, ils en profitent pour être un peu plus exigeants niveau temps. Mais merde. Mais non, mais... bientôt speedrunner de CTR. Ah bah, vous avez vu ça? Vous avez vu comment je suis fort? Comment il utilise ses objets comme de la merde? Vous avez vu ça? Non mais vous êtes jaloux AD, vous savez ça parce que vous êtes jaloux là, regardez. C'est vrai que j'ai pas des étoiles toutes les deux caisses. En même temps je suis toujours premier. Bah voilà, ni des masques, hein. Il est fort. Hein. Ni des boules d'énergie. Heureusement que t'as ça parce que c'est... Ni des missiles x3. Non je rigole. Si c'est pour les se lancer dans les... D'accord, le missile, ça va. Fais ce que tu veux, le missile. Ah oui, non. Quand tu joues en mode bataille, des fois, les missiles, tu te rends compte qu'à quel point c'est de la merde. Hein. Ils te tournent autour pendant une demi-heure. Il y a des items dans le mode bataille qui sont exclus à ce mode. Genre, tu peux être invisible. Ah, j'ai touché personne. La boule n'a servi à rien. C'était officiel. C'est le premier qui était le plus premier. Voilà, bah oui, bah oui, bah oui, bah bravo. Ah, merci. On va toucher quelqu'un avec ça. Ah bah oui, effectivement. Non mais il m'a encore explosé à la gueule. J'en ai marre, à quoi ça sert la TNT, ça explose toujours à côté. C'est comme si le nuage dans Mario Kart, il faisait un éclair pour tout le monde à côté. Il y a juste à faire prendre, c'est pas dur. Ah, une potion volante. Non, elle a explosé là. Je pense qu'elle a été détruite. Non. Oh mon dieu. Ah c'était... audacieux. La chance sourit. Pam. Ah voilà, voilà, on sait pas, on sait pas, on sait pas, on sait pas, on sait pas. La chance est de chier dessus là. Non mais on va avoir un masque. Ah il est gentil de jouer. Ah comment qu'il y a ça comme item hein, en mode médaille. Un petit boule. Après peut-être que le jeu pour compenser le fait que tu dois récupérer les toilettes, il te donne des meilleurs items. Bah non, dans le jeu normal ça me faisait déjà ça, arrêtez de chercher des excuses. Oh là quand même, on a eu juste tête dans la course peut-être. Et on arrive encore à perdre avec ça hein. C'est quand même, je pense que c'est ça le plus honteux. C'est qu'on perd quand même quoi. À cause des drifts. Hein. Oh on a pas eu d'item de ouf, bah on va perdre. Ouais, bah jamais de chance. On a pas eu d'objet quoi. Pas eu d'objet, qu'est-ce que tu veux que je fasse là? Il faudrait les battre par le skill là. C'est quoi le skill? Regardez ça, le skill là, qu'est-ce que c'est? Oh dommage, j'étais deuxième. Pourquoi je peux faire premier aussi? J'ai plus l'habitude d'être premier moi. Faut être bon aussi. J'ai bien fait de commencer par ces courses là, je pense. Franchement, c'était une mauvaise idée. Au moins, t'as les circonstances. Au moins j'ai les pires. J'ai les pires en premier, après on va finir en douceur là. Je pense que c'est un peu un des pires. Allez, évidemment. Celui-là. C'est surtout au niveau de la relique que c'est un des pires celui-là.
est rapide le Bandicoot. Je sais pas si j'ai le missile avec la nitro, mais en tout cas. Pas à l'air en tout cas. What? D'accord. Okay, crash. Pourquoi pas crash, hein? D'accord, Coco. Pourquoi pas Coco? D'accord, mais ça subit, oui! Arrêtez! Le harcèlement, là! Regardez, prenez cette boule d'énergie! Le harcèlement, c'est moi qui harcèle, normalement. Pas vous. Y'a que moi qui ai le droit d'avoir des bons objets. Comment t'es pointé au jeu? Mais à chaque fois que je prends le thé, il va se passer ça, hein. C'est... Ah, officiel, t'es hein. T'es pas tombé? C'est un fixe, hein. J'étais pas tombé tout à l'heure? Non. Un talent caché, sans doute. Un peu de skill. Qui est à part. De quoi? Un masque, non? Mais le C, tu lances un dé, quoi. C'est comme quand je lance un stream, le C, j'ai l'impression. Alors, tu dis joueur ou un? Lol. Ça serait con d'être premier et de pas avoir le C, hein. Ça serait con, là, hein. Enfin, dommage, quand même. Que là, le jeu, il te dit, bah tant pis. T'as pas ramassé les lettres, t'as perdu. Oh, connasse. Connasse. J'aime bien, ça. Bon, c'est quand qu'on a un item de ouf, là? Longtemps, là j'ai que des items normaux, là. Ah, regarde, t'es troisième sans en avoir. T'as plus ça. Oh, vraiment, tu l'as achevé. Si t'es déjà fait casser la gueule. Ah, le C. Alors. Oh, et vous savez quoi? On va juste la finir, comme ça on va être premier, juste pour être dégoûté. Bon, il y aura peut-être un quatrième tour. Non, c'est bon. Ça va, il s'est passé une connerie. Ouais, le jeu qui te dit joue mieux, bah ouais, mais le jeu il me dit joue mieux. Genre, j'ai l'impression vraiment que c'est du bol, ce truc-là. Pour un timing de dieu, quoi, pour l'avoir, ce C. C'est trop tôt. Au pire, reset à chaque fois que tu le rates, j'ai envie de dire. Ouais, ouais. Oh non, c'était pas la bonne touche, ça. Là, j'ai appuyé trop tard. Et tout à l'heure, j'ai appuyé trop tôt. Il faut être entre les deux, quoi. Je comprends pas. Avoir du skills, quoi. Ah, faut appuyer quand t'es au bord du bord, quoi. C'est ça l'idée. Et vous pouvez le faire. Bah oui. Bah oui. Voilà, ça c'est le masque qui me l'a donné. Oh là là. Le masque m'a fait un petit boost qui m'a permis d'avoir le C et d'être premier, hein, d'ailleurs, parce que bon, on a du talent. Oh la bubule, hein. Et là, on est en tête jusqu'à la fin, on a la bubule, quoi. Jusqu'au suicide pour le thé. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je l'ai perdu, là? Il a permis, il a dit. Oh. C'est dans la tête. Tu t'es peut-être pris une boule électrique que t'as pas vue, je sais pas. Ah, peut-être. Peut-être que les ennemis ont le droit d'en avoir aussi. Quoi? C'est quoi cette honte? Oh, j'ai réussi! Ah, GG! Oh, j'ai eu un con! Ah, oh, je suis... Hein? Le pneu. Pneu, là, mais vraiment pneu, là, sur ce qui s'est passé. Non, mais je serai premier en un tour demain. Bien sûr. Regardez, j'ai avoir un masque. Premier. Oh là. On peut le faire. Je pense qu'Adé il est assez il est jaloux en fait. Il est jaloux, je pense, Adé là. Non, moi je... Non. Non, mais en vrai c'est peut-être parce que vous jouez trop bien au jeu, hein. Jouez normalement. Peut-être que... Enfin... Jouer comme moi. Non, pas normalement, mais peut-être que vous aurez des masques tout le temps. Hein? Soyez nul au jeu. Voilà. C'est la conclusion. Voilà, non mais... Peut-être que la nullité... Peut-être que ce jeu est vraiment malin et qu'il mesure la nullité pas en fonction de la place, mais en fonction du skill. Il voit aller, là, il se dit, bon, voilà, il n'y a plus d'espoir.
Oh, je pensais, j'ai fait exprès de longer le mur pour qu'elle se prenne le mur, là, le missile, mais pas du tout. PDT. Non, mais j'aurai un masque, c'est pas grave. La bouboule. Enfin, j'avais oublié que la bouboule existait. Allez hop, prenez-en tous. Ceci est mon sang. Non mais il y a une honte quoi. Non mais là, là, en vrai, là je pense pas qu'on fera le 100%. Là c'est juste pour jouer pour le fun quoi. Peut-être que j'y rejouerai un jour, hein, de nuit. Ah ouais, c'est vraiment ce niveau là particulièrement. Okay. Oh là là. Oh, j'ai failli me prendre toutes mes conneries là. Mes bêtises! Oh mon dieu, la TNT volante! Oh la potion rouge! Oh la TNT! Non! Non, mais pourquoi? Pourquoi ce passage à chaque fois? Mais pourquoi ce truc-là il m'aspire comme un vortex? J'en ai marre de ce truc! J'en ai marre de ça! Cet angle droit là, je vais le démonter! J'en ai marre de cet angle! À chaque fois, là, je gagnais, quoi, encore. Putain. Putain. Fuck. Je gagnais, quoi. C'est dégueulasse. C'est le dernier virage, comme par hasard. Hein. Enfin, l'un des derniers, au-dessus du vide. Le dernier au-dessus du vide, quoi. Et de coup, toi. Oh là là, ça va être quoi, le Château de Cortex? J'essaie de pousser le gars dans le vide. Ah, je lui sens le masque. Vous avez vu ça? C'est qu'il vient doué. J'avais envie de l'utiliser. Ah d'accord, pas de turbo, pourquoi pas. Je mérite pas. Pas de mérite. C'est interdit. Petit masque? Arrêtez de vous amuser. Oh, il a fait demi-tour pour toucher celui derrière. Ah bah bien sûr. Bah bien sûr. Évidemment. Bah oui. Il arrive à ne plus mourir après le tir. C'est fou parce qu'il finit premier avec les trois lettres au premier tour, il arrive quand même à perdre. En vrai, il faudrait, moi je dis, la règle, ça serait, il faut les trois lettres et être premier à n'importe quel tour. Voilà, ça peut être 10 tours. La course peut durer 10 tours. Que on s'en fout. Voilà, moi je dis ça devrait être ça la règle. Mais pas, j'ai raison, pas vrai. Y'a Polar pas loin. J'ai mal à la tête. Ah, oh bah là il se l'est bien pris, mais comme. Voilà. Je ne finirai pas cette phrase. Il vaut mieux. Bien au fond, quoi. Non! Je sais pas ce qui s'est passé. Ça, la nitro sera pour moi plus tard. Là. Mais ouais, j'ai l'impression en fait que j'en vois que des bêtises. L'IA ne se prend pas les nitros ni rien. Je sais pas comment ils font. L'IA fait, mais. Elle se prend rien. Je comprends pas. Elle est trop bonne, l'IA. Trop forte. Vraiment trop bonne! Oh là là, mais regardez-moi ça! Allez, une petite nitro en plus. Ajoutez au fun, il y aura bien un IA qui va se prendre un truc à un moment donné, là. Regardez ça, là. Là. On dirait les barrières, on dirait les barrages qui protègent Macron, là, au Stade de France. C'est quoi ça, là? Au bout d'un moment, on vient se prendre un truc. Il finit la course et qu'il continue le circuit. Ah oui, mais regardez ça, je vais regarder s'il les a encore, ou s'il les a enlevés. Bon, allez, on va se prendre le virage de la mort, bien sûr. Non, mais vous voyez qu'il y a eu du progrès, maintenant je suis premier tout le temps. Il est devenu bon. Oui, il a eu la chance. À vous de décider. À vous de, à vous de décider. Juju. Juju la bedaine. Juju la bedaine. Juju. D'accord. Voilà, moi cette aussi. Fois-ci, je ne prends aucun risque. Et même en faisant, en prenant aucun risque. Alors, ce mur. Mais ah ouais, en même temps tu passes à droite. Ah.
Imagine, il y a un truc, un gros gang de soldats, et à côté, t'as un gros trou. Bon, bah du coup, c'est super. Donc ça marche comme ça, d'accord. On va juste essayer des reliques. Bon, on va essayer cette course-là au hasard. À voir ce que ça donne. Moi, je trouve que c'est pas la meilleure course pour tester. Non, mais, je connais la course. Vous avez vu comment je la connais bien. C'est une des plus dures. Hein. Bah, tu vas voir l'emplacement des caisses, tu vas avoir envie de crever. Gueule. La ferme. On le sait, on a joué à Crash 1, 2, 3, 4. Il n'y avait pas dans le 1. Wrath of Cortex. Si, dans le remake. Ah, oui, bien sûr. Oh, c'est dommage, beau. 70 caisses quand même. Bon, c'est là qu'on collecte les caisses, c'est ça? C'est ça. Mais t'es pas obligé de toutes les avoir, ça te donne juste un bonus de disco. Ok. C'est pas négligeable. C'est là qu'il faut essayer de ne pas les rater, les caisses, par exemple. Comment t'as celle tout en haut, là? C'est pour après. Ah. Ah, on fait un tour? Ah oui, je vois sur la carte. Le gars qui n'avait jamais regardé la carte. De toute façon, le bonus, on est d'accord qu'on peut totalement s'en passer. Pour les reliques en or, oui. Il y a des courses où même pour le platine, tu peux t'en passer. Et que c'est même conseillé de pas prendre toutes les caisses parce que ça fait perdre plus de temps qu'autre chose. Ouais, Caddy, il en avait parlé. Ah, bon bah, j'aurais pas toutes les caisses. Hein. C'est dommage. Oh, j'aurais pu. Niqué. Oui. On se rattrapera dans les autres tours. Mais quand tu respawn là, tu peux accélérer pour refaire un départ turbo. Hein, ah ouais son... Oui. Ah, il m'écoutait pas, je le savais. Il était trop focus. Oh là 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 là. Oh, cette pluie de caisse. Comment ça j'ai eu le moins 2 après? Elle a été en plein... Oh, en après-coup là. T'inquiète. Ah, ça ah, fire c'est, bon. C'est 2 et 15 là, je vois. Faut que je fasse mieux que 2 et 15, mais encore, il faut le gold après. Oui, mais... Ah, je suis à 37 secondes, là, ça va, il va rien se passer. Bah t'as eu toutes les caisses, quoi, genre t'as eu plus de la moitié, bon... Ah ouais, ça va être après, je vais avoir plus une minute dans le time, là, je vais rien comprendre. Ouais, bon, bah, c'est... Voilà, j'ai perdu 2 secondes pour en avoir une. Bravo. J'ai envie de m'applaudir. Et vous pouvez, parce que vous le méritez. Pardon. Ah, je pensais que c'était un raccourci, mais non, c'est un... Ah. Arc. Arc. Est-ce qu'Olivier est encore là? C'est très important, on a besoin de vous. C'est très important, Olivier. Bon bah... C'est combien le... Le doré, je sais pas moi. Non mais moi juste avoir le saphir, je suis heureux. Un peu nul hein, quand même. Ça doit être 2 minutes peut-être, moins. Ouais, au moins 2 minutes, je dirais. Moins 2 minutes, ouais. Bon, de toute façon, j'aurais pas toutes les caisses, je le savais que je les aurais pas toutes, donc on va quand même... Oh, j'ai bien fait de pas y aller. Malheureusement, pour le platine, sur ce niveau, il me semble que c'est obligatoire d'avoir toutes les caisses. Ah ouais, ouais, tellement c'est horrible. Et encore, ça ne suffit pas forcément. En même temps, je pense que c'est ce qui m'a tué, c'est... Voilà, c'est ça, c'est de me prendre à chaque fois, de tomber à chaque fois ici, je crois. Ou ici, là, au choix. Tu peux prêner aussi. Non. Pas de jamais. Vous avez déjà vu un joueur de Mario Kart freiner, vous? Puis là, les trois, juste avant la fin. Pas besoin de ça. Rien, du coup. Pas besoin de ça. Ah, c'est triste, hein, Saphir. Yes, j'ai la relique. Pas la golden. Comment ça, c'est... Ah, il y a marqué Sapphire. Ah oui, bah oui. Donc là, on peut retry et on peut tenter gold. C'est ça, et là il va me mettre gold, si je comprends bien. Ouais.
Oh, ça va, c'est pas grand chose. Ils ont enlevé 45 secondes, quoi, quand même. C'est pas rien. Ça va être facile. Regardez bien. Bon, en vrai, t'as gagné 10 secondes. Hein. Ça va. Et pas tomber dans les trous, voilà, pas tomber dans les trous en boucle, quoi. Je pensais facilement faisable de gagner 10 secondes sur ta run. Ouais. Sachant qu'il te manquait 10 caisses. Arrêtez. Le jugement, alors. Je pense que c'est limite worse même à la zone à la fin où il y a tous les trois d'arrêter de tous les prendre. En vrai. Enfin, en tout cas à la fin du deuxième tour. Pas forcément le premier vu que t'y repasses. Ouais. Mais c'est ça. Je suis tombé quoi. Tombé la chemise. Je sais pas trop ce que je fais là, mais je le fais. Hein. On va juste dire ça. Hein. Tant que ça marche, écoute. Tant que ça marche. Par contre, celle de deux là, bonne chance. Tu fais de bien viser. Quoi ? Quoi ? Quel mot ? Pardon ? Hein ? Oubliez ce que j'ai dit. Vivre, c'est ça ? Ah, vivre peut-être. Il faut vivre, oui. Bien joué. Gagné 3 secondes déjà par rapport à toi. T'as vu ? Je suis bon. Après, ça devient un jeu de apprendre par cœur ou sur les caisses, quoi. Bon, bah, c'est mort. J'aurais pas toutes les caisses à cause de ça, typiquement. Bah, après, est-ce qu'on est obligé de les avoir ? Je pense pas. Après, 10 secondes, c'est quand même bien. Hein. Oh, J'en ai marre de ces trucs là. J'en ai vraiment marre. Tout casser, tout péter, tout brûler, tout. Tout faire quoi. Exploser. Ah bah là, tout destituer là. Tout démissionner, tout ce que vous voulez. Ah, tout ce que vous voulez. Faites-vous plaisir. Les caisses juste à cause d'une. Bon bah c'est mort. Ah, c'est pas loin hein. Ah bah non, bah c'est mort, j'aurais pas toutes les caisses déjà. Donc là il va falloir 3, là, t'es au début, là, donc là on va compter sur le talent hein, bien sûr, perdre plein de temps. Voilà, voyez tout le temps qu'on perd là. Arrêtez! Vous me faites peur! Ouais, c'est pas si facile que ça, mais c'est amusant en vrai, c'est amusant. On prend du plaisir à faire ces conneries, même si on ne gagne pas. Je comprends pas, je gagne pas et je m'amuse quand même. C'est fou! D'habitude, quand je perds, je chiale là, mais là. Bon, tu vas perdre. Ben non, regarde. Tu vas perdre, mais avec le sourire. Regardez, vous avez vu là ? Vous voyez là, je suis à une 34, 35. Franchement, j'avais à peine 10 secondes. Mais c'est à cause des chutes sur les virages de merde. À chaque fois, ce virage de merde me tue. Il te restait 20 secondes dans les caisses, je pense. Si j'ai bien compté. Ouais, bon. Voilà, celle-là, je la chope parce qu'elles sont chiantes. Le bon plan, c'est de choper les plus chiantes en premier. Oui. Ce fameux plaisir de jeu, ouais, je comprends pas alors. Je m'amuse, c'est pas normal. Ah oui, effectivement, avec un drift, ça se faisait bien. Hein. Vous n'êtes pas être débilus, quoi. Là, tu me fais plaisir, tu tombes pas. Hein ? Pour changer. Espoir. Pas grave. Du coup, en général, ce que ça te fait, c'est que t'as un premier tour où t'as un temps qui est très réduit et après t'as tout qui monte d'un coup. Bah, c'est ça. Mais c'est logique, hein. Oui.
Mais le j'aime bien le design des tracks parce qu'il est vraiment fait de sorte à ce que tu... Je vois parfaitement la... Oh, ça, j'ai sauté trop, c'est con. Oh, ça, c'était un peu débile. Ça, c'était débile. Trois chemins qui sont bien tracés à chaque fois. Exactement. Ça, c'était... Les trois, là, c'était bien débile. Les caisses de trois, là, j'ai chié, là. Ah, je pense que... Je te dis, à la fin du deuxième tour, essayez peut-être de t'arrêter de toutes les prendre. Parce que le temps que je vais gagner, il va me donner... T'as genre une quinzaine de caisses de 3 secondes. Pas négligeable. On a perdu à cause de ça. Hein. On le sait. Oh, une 3... Il me faut une minute. T'as de la marge. Là, t'es à ton temps que t'étais à la fin du premier tour, tout à l'heure. Vraiment ? J'étais tombé à une brêle. Ça c'est fini ça. J'aurais pas toutes les caisses. Ah, après, si j'ai quand même le temps bon, c'est bon. Bon, ça, t'es... Je me casse. Je vois pas comment tu ne te casses pas la gueule sur celle-là. Ah, tu freines. Freiner. Mais je vous l'ai déjà dit, freiner dans un jeu de course, quoi. Voilà ce que ça donne de vouloir ramasser les trois. Hein. Ah, ça reste rentable. Ah, c'est dommage que ça te mette debout. Oh ouais. Effectivement, là j'ai 10 000 secondes, là le temps va plus passer. Pendant une minute entière, on compte là-dessus. J'aurais pas été jusque là, mais... J'ai gagné une minute. Moi je dis c'est faisable. Le problème c'est que t'as plus de caisse là sur le circuit. Ah, du coup c'est... Pardon ? Qu'est-ce qu'il m'a touché ? What ? Mais il m'a pas... Il m'a jamais touché, le machin ! Oh non... Hitbox de merde, hein. Ouais, bah là, j'aurais pas toutes les casses à cause de ça, typiquement. Ouais, c'est dommage. Là, il y a du temps à gagner. Attendez, c'est peut-être pas fini, monsieur Adé. Ah, c'est trop loin, je pense. C'est les chutes... Non, mais ce virage ! Ce virage, je vais rentrer dans le jeu. Je sais pas, je vais mettre une bombe dans le virage, je vais le détruire. Comme ça, sera encore un plus gros trou, sera encore pire. Très smart. Super smart. Smart, quoi. Super smart. Smart et dessiné. Smart et dessiné. Non, mais c'est amusant. Je trouve ça distrayant. Oui, c'est sympa. Qui aurait cru qu'on pourrait s'amuser sur cette merde? Moi, je le crois pas. Moi, je suis ébahi. C'est vrai que c'était pas gagné. Bah oui, me connaissant, là. Avec des gros a priori. Mais non, mais franchement, je commence de... J'aime de mieux en mieux le jeu, quoi. Finalement, peut-être qu'on va vraiment le faire, le 100%. Ouais, non, mais c'est... Il est cool, le jeu. Encore mieux dans le jeu. Ça joue des souvenirs, quoi. Ouais, là, pour le coup, pour les relics, t'as pris un des plus durs. Si ce n'est le plus dur. Non, mais c'était pour découvrir. Idée. Mais comme ça, le reste sera facile à côté. Voilà, c'est toujours ce que je fais. Est-ce une bonne idée finalement? Moi, je pense que oui. Hein. Regardez, je suis en train de m'amuser là. Ah, ça va. C'est essentiel. Je l'ai eu. Bon, là, on esquive tous les trois parce que pourquoi pas. On a eu une. Un tour, c'est pour les laisser pour le troisième tour. C'est pas exprès. Non, mais regardez ça, je suis qu'à 23 secondes, c'est jouable. Ouais, t'as 10 secondes de plus par rapport. Bah, peut-être pas la dernière course, mais là t'es à peu près dans les mêmes temps. Sauf que là t'es pas tombé. Anti-jeu de la part du jeu, exactement. Il triche le jeu. Tu vas te faire taper. Hein. Non. Genre, je me faisais taper là. Genre. Moi j'aurais pas tenté. Non, on va les avoir ces caisses de mort.
Il va faire un perfect et il va t'avoir la relique de platine. Non. Imaginez. C'est peu probable à mon avis. Je prendrai au dernier tour. Ce qui est con. Comme ça je vais voir si bah si j'en rate là, parce que ça je peux rater. Tu vois. Là là il y a ça là. Que j'ai raté tout à l'heure. Non. Ok, bon, en théorie, y'a rien qui peut m'empêcher d'avoir toutes les caisses. Ouais, mais c'est con, parce que t'as laissé tous les trois à la fin, et bah... Ah oui, le temps T'as la ligne d'arrivée, quoi. Con. Après, là, t'es bien. Non, mais je suis plus du tout rassuré. En vrai, j'ai été con, oui, bah oui, parce que ça va pas le déduire, du coup. Bah, enfin, j'aurais pu en gagner bien plus. Oui, mais tu peux prendre le temps de freiner et récupérer quand même. Bah oui. C'est ce que je comptais faire. Au moins 10 secondes. Merde, merde. Ah bah oui. Ah, on va aller sur la ligne, là, c'est bon. Là. J'avais pris les 3. Après, à mon avis, je pense que tu dérapes pas assez pour avoir la relique de platine. Ouais, bah oui. De toute façon, le temps, on va regarder le temps pour le... Hein ? Bon, le platine là, platinum, et on va rire. Je dirais, c'est genre 54 secondes. Ah ouais, quand même. Allez, montre-moi qu'on rigole. C'est la platine où j'ai le plus galéré, je pense. Ah ouais, toi, tu galères, quoi. 53, bon, j'étais pas loin. Ouais. Ah ouais. Il y a de l'abus. Bah déjà là tu retires, tu prenais les caisses de 3 secondes, tu retirais facilement 15-20 secondes, plus le bonus de 10 secondes. Oui, ma première relique. Et donc ici, oh regardez-moi ça comme ça. Et donc le point sur ma map, ah on le voit pas parce que je ressors, bah oui je suis ressorti. Ah oui le point devient rouge je pense. Ouais, il est devenu rouge. Il n'y a aucun intérêt à retourner voir les boss, hein, on est d'accord. Je crois les rouges, c'est bon. Bon, bah c'est parti. Allo, Attack. Bah écoutez, on va faire ça, on va sûrement pas finir par contre, parce que bon, c'est quand même un peu long, toutes ces bêtises. Bah il reste et beaucoup de courses, quoi, il faut les faire osé... minimum deux fois chacune. M'a spammé sur Discord. Qui a osé faire un Not Everyone. Ah, c'est Ice Dragon. Ah qui fait des lives. Il y aura peut-être le raid, si Christophe n'est pas en stream. Peut-être. Parce que bon, il peut un ordre de priorité. Allez. Évidemment. Il y a un ERA pour les reliques de platine. Oh oui. Oui, un ERA par relique. Hein. Bah, c'est, en fait, les ERA du jeu, là, j'en aurais 2. Quand on a genre 7, je crois. Voilà. Et il y en a. Il y en a, en fait, il y en a 90%. Ok, le C est là. La moitié c'est les reliques de platine, l'autre moitié c'est les fantômes sur chaque course. Voilà, c'est t'as ça. Deux fantômes par course, un fantôme facile et un fantôme difficile. Ouais. Et avec le fantôme facile, il est pas facile à faire. Tu dois battre Entropy et quand t'as battu Entropy dans toutes les courses, tu le débloques. Et après, tu dois battre Oxide dans chaque course. Ouais, la base quoi. Et pour ça, faut être en mode dérapage constant. Avoir le boost de vitesse qui est tout le temps fait. Le 100%. Ouais, mais ça compte pas dans le mode 100% parce que les thèmes trioles sont pas. Ah, d'aventure. Oh, moi, je vais récupérer. Et les reliques de platine okay. Comptent pas dans le 100%. C'est les reliques d'or. Ah bon, on va peut-être attendre avant de l'utiliser. Hein. T'as vu où il était le C? Ouais, au début, il faut serrer le virage. Pardon. Pas compris. Là-bas. Ah, ça m'avait manqué. Oh, le con, il s'est fait enchaîner. La baboule. Bon, il est où le C, là? C'est serrer le virage, là. Ah, bah oui, bien sûr, allez. C'est comme serré, évidemment. Je sens que vous avez apprécié ce tour le plus long. Maintenant, j'ai plus qu'à avoir des masques. C'est la strat. Après là, ils sont quand même loin. Ils sont quand même loin, mais ils vont ralentir. Dans un jeu de course, je vous rappelle. Ils vont voir que je suis nul, ils vont s'adapter. Il suffit de 3 beboules. Et puis c'est bon.
Genre, le missile, il s'empale sur... rien. Bah, il est tombé et du coup, il se tape le rebord. Mais ça se voit pas parce que c'est mal fait. Oh, des queues ! Ah, c'est joli. Tiens, pour la peine, là. Voilà, c'est bon. J'étais énervé. C'est sympa, les bombes. J'envoie les bombes de colère, là. Je voulais pas choper des bombes de calme, là. Bah ouais, c'est quoi, ça, là, le jeu qui... Hein, c'est quoi, jeu, là? Regardez, je vais être dernier, là. Pile pour sauter dans le vide, quand même. C'est beau. J'ai arrêté. Je vais arrêter d'espérer. Non, mais regardez, je vais manipuler la chance. Oui. Marche bien. Jolie manipulation. Merci, merci. Ouais. Là, très bon. 5, 6 secondes de faire son premier tête. Peut-être mes 10 ans, allez. Bah, non. Je regarde juste la minima. Arrêtez de regarder la minima, et croyez en mon skill. Regardez. Ils sont 3 à être premiers, mais ils savent pas. Hein. Ah. Vous avez vu? Ils sont rien pris. Touché que le premier qui était passé deuxième entre temps. Non! Quoi? Qu'est-ce qu'il m'a eu? C'est quoi qui m'a chopé là? Peut-être. On les voit jamais. Oh! Incroyable. Une montre! C'est la deuxième fois du jeu que je la vois, dis donc. Une petite boule d'énergie, là. C'est gagné, aussi. Oh, c'est perdu. Maudit bandicoot! Hot Air Skyway, le nom d'une ville près de chez toi, quoi. Ça doit pas être ça, mon. Non, c'est vrai. Non, mais les... Le C, il est chiant, quoi. Le C, j'ai dû le prendre en marche arrière. J'ai perdu 10 secondes, quoi, sur le C. Ah, le serré avec un C, oui. C'était pas évident. Non, mais je sais pas. Ah, on rate le boost, allez, pourquoi pas. Ouais, histoire il est de... obligé de freiner, d'aller en ligne droite pour pouvoir bien te recadrer là-bas. Mais cassez-vous! Ils sont chiants. Et bien sûr, elle est à la spawn, hein, à la spawn devant moi. Hein. J'aurais un reset. Moi, je révèle déjà. Je garde pas ça, quoi, je garde pas ça, là, je garde pas ça. C'est de la merde, là. C'est de la merde. Là. Peut-être qu'aujourd'hui, on va juste faire les 4 dernières courses. Voilà, à 100%. Ce sera le programme d'aujourd'hui. J'en fais une, hein. Tu restes 3. Hein. Ah bah voilà, enfin. Et t'en es chanceux. Mais genre le... Oh, t'allais trop vite aussi avec le masque, forcément. Ah ça y est, ça va exploser dessus la TNT, là je le sens bien, comme d'hab. Ah non. Étonnant. La baboule. Alors qu'on est deuxième. Évidemment. Oh, j'aurais pas dû m'en retourner. Il y a un troupeau là. Personne ne s'apprend. Ah si. Engine se l'a pris. Oh là là. Quel professionnel de la TNT. Moi oh, ça me connaît la TNT. Un petit masque là, voilà un petit masque. Bon, perdu un petit peu de place là. Mais... perdu oh, des places là quand même. Bon c'est parti pour le passage. C'est délicat. Ah. Ça peut prendre l'objet. Hein. Le quoi? Faire un effort. Non mais je suis premier, ça sert à rien. Oui, t'aurais eu quoi de toute façon, un masque? En étant premier, je crois pas, non. Là j'aurais un masque, je suis deuxième. Ah. Une bouboule. Ah, c'était une bouboule. Ça reste une boule. Putain mais arrête crash.
Ne pas prendre l'aspiration des adversaires, c'est un mauvais jeu. Hein. Oh, le... oh non, le coup. Ah, tu l'as utilisé? Ah non. Bah non. Ah, la musique. J'ai tout fait glitcher. Peut-être qu'on l'a à l'infini. Hein. Ah non. Ah bah voilà. On retourne sur nos bonnes bases. Hein. Ah, t'as touché personne. Mais non, personne n'a été touché alors que c'était droit devant, quoi. Ah, c'est un peu random quand t'as pas full pomme. Ouais, quand t'as full pomme, j'imagine que ça... Mais putain ! Pardon. Ouais, mais y'a pas de caisse dans ce niveau, là. Ils vont juste me piquer des objets devant moi ! On voudrait les impôts quand ils passent sur ton salaire ! Ils prennent tout sous ton nez, c'est sadique, là. Allez, une petite boule d'énergie, là. Allez. La boule pour petite bouboule. Raté. Est-ce que je vais vraiment rester devant pendant tout le tour, en fait, et il va rien se passer? Effet efficace. Non, mais je comprends pas comment ils font pour aller aussi vite, quoi. Ah. Oh le oh le con. La dernière ligne droite. Pas du tout honteux, hein. Oh, ça va, il était quand même un peu loin. Yes, c'est gagné. Ah, t'amuser pour la relique, hein. Serré, ah serré. J'avais pas lu le premier mot du message alors que c'était le plus important. Ça s'appelle trier les informations pour trier l'essentiel, ça. Voilà. Je me souviens plus du tout comment sont placées les caisses, donc... Mal. Oh, j'imagine bien. Ce serait pas drôle, sinon. Allez, regardez ça, je commence à connaître les thèmes par cœur. Ah, c'est 3 minutes quand même. Et 5 secondes, s'il vous plaît. Et la plastine, c'est 1 minute. Bon, on va aller voir les caisses là, on va rigoler. Oh, c'est des pires dans ce garage. En même temps, c'est le pire. Et il y en a une là. Ok, il y en a des là aussi. Ouais, faut prendre le raccourci qu'une fois. Ok, bon, moi j'aurai pas toutes les caisses. C'est pas grave. On va quand même essayer de faire un minimum, comme a Dédi. Ouais, honnêtement, le circuit, je pense pas trop dur d'avoir toutes les caisses. Non, ça passe. Il y en a beaucoup de caisses quand même, j'en ai 14, what the fuck. Il y en a un troupeau à la fin ou quoi? Il y en avait au début aussi dans le chemin normal. Certes. Mais à chaque fois, c'est la moyenne, t'as la moitié sur le premier tour. Quoi. Bon, là, il faudra faire le chemin normal, c'est ça pour... Ah bah non, on n'aura pas toutes les caisses. Donc oui, je peux prendre le raccourci, en fait, juste pour... Ah, mais après, ça va sûrement déduire bien plus de temps de passer par le parcours normal. Oui, quand même. Tu vas genre récupérer 3 caisses. Allez, du 3 secondes là. Allez, du tout, on a tout raté là. J'aurais voulu le faire exprès, j'y serais pas arrivé. D'accord. Ouais, en fait, c'est serré. Les virages serrés, j'y arrive pas encore. Bon. C'est une habitude à prendre. Oh mon dieu, la mort en épingle. Oh, all planet. Là, tu comprends les 3 minutes 5. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais ça fait peur pour l'or, du coup. Ouais, là, ça, le 3, là, je sais pas comment tu vas là. Bah, faut bien freiner.
Ah, je freine jamais, c'est peut-être ça mon point faible en fait. Ah, il y a pas beaucoup d'endroits où faut freiner. Je suis toujours sur le freiner, mais ce passage là, il est vraiment chiant le demi-tour. Je suis toujours sur l'accélo, hein. Le demi-tour là, j'ai jamais aimé. Moins pire que les angles droits pour Papou là. J'ai 2 secondes en moins du coup. Bon, je prends ça au moins. À mon avis, ça va être. 10, ça va être 2 minutes le truc, le machin là. C'est pas, faudrait déjà avoir. Tu perds tellement de temps. Ouais, tu perds tellement de temps là, tu prends pas de caisse. 17, je crois. Je prends pas de caisse. Ah non, on prend pas les caisses, on arrête. Là, on a arrêté le projet. Là. Je pense que cette course-là, je vais la trouver pire. Pire que Engine. Bah, ça va là encore. T'as moins de caisses, mais tu tombes moins. Bon, t'as raté 20 secondes dans les caisses. Ouais. Bon, on va voir ça. Donc ça, c'est bon. Allez! Vite, là. Ouais, c'est lent, hein. Toutes ces bêtises. Fais chier un peu. 2.34. C'est bon, j'étais pas loin. 2.37, je pense. C'est quoi? Il suffisait de 2 caisses sur les 10 que t'as raté. Pas du tout envie de me tabasser les couilles. Dommage. Plus que 2 minutes la platine. Je pense quand même t'auras moins de mal que celle-là. Ouais. Ouais, c'est ça, comme tu dis, il suffit juste de ramasser les caisses que j'ai jamais prises. Mais je sais pas. Surtout que c'était à des endroits un peu cons que t'avais raté. Il y a des sauts où on comprend pas, C'est parce que t'as pas assez de vitesse quand tu commences ton saut. Ah, c'est peut-être ça qui se passe. C'est de drift. Genre, je drift pas assez. Si on regarde un speedrun de ce jeu, tu verras à quel point les drifts t'en fais pas assez. Ouais, mais je veux bien te croire. C'est vraiment, ils font que ça. Tu roules jamais en fait, t'es toujours en drift. Ouais, mais c'est normal comme façon de jouer. Oui, vu les temps que les fantômes font, oui. Et t'as le triole. Ah d'accord. Et malgré ça, les platines donc sont faciles à côté. Ah du coup oui, vu que les platines sont faisables sans drifter n'importe comment là. De partout. Mais ça, j'imagine que le platine il compte surtout sur ramasser toutes les caisses pour avoir le bonus. C'est peut-être ça la vraie difficulté en fait du platine, c'est de faire... Mais... Ouais. Même si il y en a où t'as pas besoin, mais bon. La plupart faut quand même. D'accord. Pas grave. Pas grave. Ouais. C'est dans la tête. Bon, le 2 est plus facile à obtenir que les 2, hein. Casserole de saut. Oui. Détail. Oh non! J'aurais dû freiner! Il a vraiment raté les 3, quoi. J'aurais dû freiner! On sera pour mieux les prendre après. Au moins, ça me laisse du temps pour le dernier tour, tu vois. Oui, mais bon, c'est mieux d'avoir toutes les caisses. Détail. Ça sert à quoi d'avoir toutes les caisses, de toute façon ? À gagner ? Gagner ? Bon, bon. Quoi ça sert de gagner ? Gagner ! Gagner ! Ouais, donc ça va plus vite de freiner ici sur l'épingle. Ouais, vu que tu reprends le boost derrière, mais bon. Bon, il me reste 1 minute. Youhou. Pas de panique. Il n'y a plus beaucoup de caisses, quoi. Va pas falloir aller louper. Non, mais j'étais à 3 secondes tout à l'heure. Ça va. Il suffit juste que je loupe moins les caisses. Oui, mais bon, ça arrive vite, hein, avec vous. Regardez. Sur 2 secondes, facile. Sur 3 secondes, easy. Sur 2 là. C'est quoi, tu l'as eu.
D'une facilité. Ouais, j'ai cru que je l'avais pas. Hein. Oh, je pensais. Je sais pas pourquoi la suite. J'ai vu une cage et je me suis dit la suite elle est là-bas. Mon cerveau il a bugué. Là j'ai glitché. Oh, ça va qu'il y avait un mur. Hein. Je sais pas trop ce que ça va donner. Ah. Suspense est total. Hein. Et qu'est-ce que t'as raté tout à l'heure? Tu les as ratés à un autre endroit. Et oh! Eh, en même temps, t'as eu plus de caisses là. Je pense donc. Là. Mais là, jusqu'à la fin, t'en as plus. Donc, Vous mentez. Ah, il en restait une, désolé. Ça dégoûte. Non, en vrai, ça va. Non, ça reste un temps constant que j'ai fait, d'accord, ok. Ouais. Constant. Constant dans la constance. Bon, bah, les caisses, quoi, les caisses, bordel de merde, les caisses. Ah, c'est con que t'aies tout raté dans le même virage. Les caisses, quoi. À croire que c'est important, les caisses. Je crois qu'il faudrait vraiment plus que j'appuie sur la freinasse. Voilà, là je freine constamment, vous voyez, ça se voit peut-être. Des petits à-coups. Voilà, on les entend aussi. Le passage là, je... Ah, mais c'est le 1 qui est tout à gauche, voilà. J'essaie pas de l'avoir. Mais je vais rester... En fait, c'est ce virage là, j'ai un problème avec ce virage, je pense. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est tu frôles la caisse. Ce virage, il veut pas passer. Virage là, il y a une misère. Mais bon, tu vas y arriver. Oui, je n'ai pas de doute. Oh, l'or, ça se fait bien. Bon, j'ai fait la caisse dont tout le monde se foutait en premier. Comme ça, c'est pas mal. Ah, t'as sur le temps, quoi, déjà. Bon, si tu rates une seconde, ça va. Hein? Hé, je les ai prises! T'as vu? Comment je suis fort? Tu veux une médaille? Ou une relique, peut-être? Une relique. Je préférerais une relique, s'il vous plaît. Oh mon dieu, mais ça fait deux fois que je tombe là. Hein. Ah, tu perds que 5 secondes, ça va. Ça va. Quand on a un délai de 3, ça va. C'est pas du tout ça qui permettrait d'avoir l'or, quoi. Oui, mais bon, c'est dans la tête. La musique qui enjoy, hein. La musique qui prend du plaisir. Bon bah... Voilà. Bon, on rate rien, là. Hey, mon dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu toutes les caisses. Qu'est-ce qui s'est passé, mon dieu? Qu'est-ce qui se passe? Arrête d'aller là! Mais pourquoi mon cerveau il veut tout le temps aller tout droit là? Voilà, regardez, comme ça là au moins je suis sûr d'avoir eu les caisses. Sûr de tomber dans le vide comme ça. Non, bah en fait, mon goal ça va être d'avoir toutes les caisses, je pense. Là je suis pas mal pour avoir toutes les caisses. Bah c'est déjà mort, non? Comment ça c'est déjà mort? T'en as raté une dans le virage au début, la grande boucle. Je sais pas de quoi vous parlez. Je me souviens pas. Bon, en vrai, tu peux freiner et récupérer l'autre. Hein. Pour gagner 10 secondes, c'est rentable en soi. Moi, je pense que oui. Il faut être sûr de pas rater la dernière sur le saut de merde. Hein. Moi, je pense que c'est pas. Ah oui, c'est vrai. C'est pas indispensable ça. Bon, il y a une minute à faire comme la dernière fois finalement. Vraiment, constant. Constant dans la constance, mais plus que jaja. Là, il y a encore moins de caisses qui restent. Donc, est-ce que c'est une bonne nouvelle?
Moi, je pense que ça vaut le coup. Vous avez la foi. Mais faut déraper avant la pente pour avoir cette vitesse. Bah non, y a pas besoin. Voyez. Bravo. Alors peut-être. Alors peut-être grand-père, hein. Grand-père ! Ah, c'était sûr. Bon, il m'en reste deux. Une. Il y a 10 secondes que tu gagnes, t'as perdu en ton bord. Arrête, attendez, arrête ! Oh, mais c'est pas grave, là, t'es large. J'ai un peu pris le coin, mais c'est pas grave. Clafo, ouais, si c'est moins de 44, c'est gagné. C'est gagné. Parce que là, il va m'enlever, ouais, il va me faire une déduction. Voilà. Et voilà. La honte. Allez, on va regarder le platine. Moi, ça, c'est ma petite... Une minute. 1,53, je dis. Non, c'est pas possible de gagner autant. Qu'est-ce que ça ? 2 minutes 10. Bah merci pour les GG pseudo. 2 minutes 2. Possible. Franchement, c'est de la merde. Qu'est-ce que c'est 30 secondes ? C'est quoi 30 secondes ? Bon. Si, je suis en moins. On ferait pas une dernière ? Histoire de. Ah, il te reste la station d'oxygène. Moi je dis on peut faire le château de Cortex. Ah mais non, c'est vrai que t'as pas fait le château de Cortex. Hein. Comme ça on est débarrassé quoi. Ma course préférée. Et on va d'abord commencer par la relique, je me sens coquin. Allez. Non mais attends, il va falloir que j'y retourne. Pas si, si bonne idée finalement. Oh mon dieu, les caisses ça joue à gauche droite là. Les caisses bougent, hein, c'est la spécificité du niveau. Hein ? Ça aurait été extraordinaire ! Mais je sais que ce n'est pas le cas. Jamais été fait, encore heureux. Franchement, moi je dis que c'est une idée de génie. Non ! La caisse du trône. Imagine les araignées, elles te volent les caisses. Bon, au début, on fait le saphir, donc on s'en branle un petit peu du temps. Même en faisant ça, vous voyez, j'ai quand même réussi à ne pas les avoir. Non mais... Bon, c'est bon, j'ai compris. Tu suicides ? J'ai compris ! J'ai même pas vu le temps qu'il faut que je fasse, d'ailleurs. Beaucoup. 2,35. En même temps, là, je pense que c'est des caisses qui donnent beaucoup plus de... Oh. Peut-être pas pressé, j'espère. Non, moi je suis très chill dans la vie. À la cure ! J'avais pas vu ça. Et j'ai dérapé, hein. Allez pas dire que j'ai pas dérapé là. Hein. Ou que j'ai pas freiné. J'ai tout fait. J'ai tout fait pour éviter mon destin. Pas grave. Oh, c'est bon, je l'ai eu. Je suis doué en vrai. Vous trouvez pas, Anne ? Ne se prononce pas. Je prends quand même, oui. Merci Adé. Ah, tant que ça marche. Tant que ça marche. Essentiel finalement. Bah oui. Bah, par contre là il va pas y en avoir plein d'dés dans les escaliers. Oh, 3. Bon j'en ai eu 2 là en tout cas. J'ai l'impression qu'il y en a. Ah mais le raccourci. Le raccourci de la méchanceté. Il n'y en a pas dedans. Si.
pour aller les chercher après. Pour aller les chercher. En mode j'ai que ça à foutre. Ah d'accord, les 3 secondes. Oh ouais, les 3 secondes. Beaucoup de casse. On a envie de se régaler. Miam 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 miam. It's delicious. Arrêtez hein, de juger. Oh mais c'est pour toi moi, je dis ça, hein. T'as failli tomber dans le coup. Failli, je ne l'ai pas fait. Vous avez échoué même à tomber dans le vide. Eh ouais. Bah, pas que t'oublies de passer à droite. Hein. Du coup, ça tu me le rappelleras. Oui. Avec le dégât. Je suis sûr que ça va bien se passer. Pour gagner du temps. Pas de chance. C'est pour gagner du temps. Tu vas peut-être avoir la côté du premier coup. Eh, ce serait peut-être mon but là. Oh, bon, 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 bon. J'ai pas vu ce qui s'est passé là, on va pas juger. Ah, hein. Oh, c'était pas si pire. Donc là, il faut que je fasse le raccourci, c'est ça? Après? Pardon? Y a pas... Mais non, il n'y avait pas de caisse dedans, c'est bon. Si, il y en a une. Tu l'as prise? Je pense pas. Ah, si. Je pense qu'il y en a une autre, non? Non, je crois pas. Bon, tu verras bien, de toute façon, c'est à la fin. Oui, bah oui. Merci, Adé. Heureusement que t'es là, hein. Je l'avais déjà oublié. Bon. Discutable. Et ouais. Oh non! Oh c'est mort! Oh c'est tellement mort! Non, ça du non! C'est tellement mort! Oh non! Arrête tout le temps que j'ai perdu pour avoir les autres, quoi! Ah et ouais, il te reste les trois à la fin, dans le dernier couloir. Attends, on va regarder si j'en vois une, hein, tant qu'à être là. Ah mais... Y'en a pas. Mais si, y'en a une. Mais non. Mais si, ah, regarde. Là. Tu vois? Ah non, mais c'est... J'ai cru, bon... La tête à cortex. J'ai cru que, tu vois, là-bas, au premier tour, là, on en voyait là. Et je pensais que ce truc-là faisait partie du raccourci. C'est pour ça, Spectre. On me raconte que le saphir faut vraiment être une brêle, hein. Parce que là, même en ayant repris le temps de regarder le paysage, regardez ça, je l'ai encore. Hein. Donc bon. D'accord. On aurait pu le finir pour avoir le temps de la gold, hein. Bah non, ce sera le suspense. Non mais, cette course, je la maîtrise. C'est ma préf. Ah, c'est ton circuit. C'est mon circuit à moi, quoi. C'est comme si c'était fait exprès. C'est le château de Zeldo. Le château de Zeldo. Ah, bah le défi de Zeldo, chapitre 3, le voilà, le château. Attendez pas le jeu, hein, le voilà. C'est un jeu de course, hein. On vous l'avait pas dit. Ouais, ouais, bah écoutez, à chaque fois, c'est un petit peu un truc innovant, les défis de Zeldo, là. Donc, là... Arrêtez! C'est un peu gros cerveau. Ouais, je... Vous en aurez besoin. Le gros cerveau qu'a seul, quoi. Non mais là on fait toutes les caisses et c'est easy, quoi. Ah oui, il y a ça. Oh non, ça... C'est un peu mort. En vrai, ça va, prendre le raccourci, ça avait pas tant gagné de temps que ça. Bon, là, par contre, du coup, c'est mort, vu que j'ai jamais assez de vitesse pour faire ça derrière, mais on a deux autres tours pour le faire. Rassurez-vous. Oh oh! Oh oh oh!
Oh oh! Bon, on ne serait pas doublé au dernier tour. Mais on ne la voit pas, la caisse, c'est dégueulasse. C'est vrai qu'elle était bien cachée. Sinon, c'est pour que tu rates un 2, là, sur la pente. Arrête de dire ça. Surtout que je dis que c'est encore elle, là, hein, derrière. Attention, hein. Elle va peut-être revenir encore, elle, hein. On va peut-être encore l'oublier. Ouais, que tu prennes ton temps de bien viser avant la pente, quoi, on va dire. Je vais prendre le temps, alors. Comme j'ai pris le temps pour l'autre. Ce sera pareil. On a encore un tour. Pas de panique. Tout est encore possible. Même de gagner. Il est possible de gagner. Il est très possible de perdre. Donc là à droite, c'est ça. Hein. Oui. Dans le coin de merde. Ah ouais. Oh mon dieu ! Large. Et là, c'est où le virage encore à la con là ? C'est pas tout de suite. Hein. Non, c'est le prochain. Et là, c'est dans quel sens ? C'est bien en avant, ouais. Voilà. Ça c'est fait. Large. On freine tout le temps parce qu'on sait pas jouer aux jeux vidéo. Il reste que le 3 tout à la fin, hein, qui est compliqué. Ouais. Et le reste c'est dans le tunnel. Mon dieu ! Ah, il y avait une. Voilà. La coquine. PG. Je l'avais oublié celle-là. Et le tunnel de fin. Le tunnel de fin. Oublie pas le 3. Hein. Ouais bah là, faut que j'aille assez vite quoi. C'est surtout le timing du saut, je dirais. Allez, c'est bon, si c'est 2 minutes, c'est gagné. Je sais pas, hein. En vrai, si t'as eu le gold, c'était 2 minutes 4. C'est marqué. Facile. GG, hein. Facile. Facile, facile. Ah, quand je t'avais dit que les golds c'était faisable, là. Ouais, ouais. Non, non, mais c'est faisable en fait. Ouais, ouais. Donc là, retry. Ah non, retry. Ah, mais c'est pour ça que c'est un choix de merde. Oh, bon, par contre, ça, tu vas aller te faire foutre. Ouais, en fait, quand tu fais la relique, tu veux pas, t'es obligé de revenir à la map. Tandis que quand t'as la médaille, tu peux faire la relique. Je sais pas pourquoi. Bizarre. Enfin, tu reprends, en fait, de la course où t'étais. Je sais pas. Parce que t'as pas d'animation de comme quand tu récupères un jeton, je pense. Ouais, c'est ça. Là, l'animation, elle se joue après la course. C'est peut-être ça qui se passe. Je pourrais oublier. Oh mon dieu, c'est arrivé en catastrophe. Il s'affiche pas sur l'interface en même temps les jetons. C'est parti pour le CTR challenge et après on va finir le stream. Pas se coucher du coup. Non mais c'était cool. Du coup bon, mon regret ce sera par contre, j'aurais quand même aimé faire la dernière course comme ça tout le monde 4 et les boucles là, mais les boss y a rien à refaire. Hein. Non, les boss, c'est bon. Okay. Bon. Ok, déjà ça, c'est fait. Oh, là, ça va être un peu chill, au moins. Je suis pas sûr. Hein. Par contre, faut ramasser des trucs. Hein. Je me suis dit, oh, allez, je prends plus de caisses. Donc là, mon cerveau, il est vraiment en mode, je prends plus rien, quoi. On a la phobie des caisses, là, c'est bon. Ta gueule! Allez! Ça faisait longtemps. En plus, améliorer, là. Améliorer, il dure plus longtemps, c'est ça? Oui. Beaucoup plus longtemps. Ah, mais là, pour le coup, c'est worse de prendre le raccourci. Avec ça, oui. Bon, j'ai toutes les lettres, au moins, déjà. Au moins, les lettres, c'est déjà fait. Mais c'était pas très chiant, les lettres, sur cette course. Ils auraient pu foutre une lettre dans le raccourci, j'avoue. Je pensais qu'il y en avait, je t'avoue. Je me suis rendu compte que c'était de la merde comme raccourci à prendre. Ça faisait longtemps ça aussi. Elle l'avait beau. Elle va faire quoi? Demi-tour pour toucher? Ah non, elle va juste pas toucher le deuxième. De haut, Homer. Ah, c'était le
c'est bâtard ça. Ouais, je suis d'accord avec vous. Mais bon, ça va. Encore un ? Non, faut pas déconner quand même. Ah, c'est la prochaine caisse. Mais ce sera la prochaine, ouais. J'étais trop pressé. Le timing. Timing, man ! Desune. Desune, man ! Desune, con. Oh, il a failli ! C'est passé à ça. Là, il va faire exprès de perdre parce qu'il adore ce niveau. Oui, vous avez tout compris. D'accord, pourquoi pas. Tant que ça vise pas moi, hein, je vois pas. Vraiment, il a l'impression que t'avais forcé dans le missile. Pas chez moi, Bandicoot. Oh, ça a été le choper lui, allez. Ça a fait demi-tour encore, hein, on l'a vu, on a tous vu le demi-tour là. Et puis le petit chou là qui a lancé son bicycle dans la panique. On lui a dit ah maman. Il a fait ah maman, maman, vite, et voilà. Ah, attention. Reste toute la fin quoi. Là, ils vont forcément se prendre une poteau. Obligatoire. Facile. Je ne fais qu'un avec la course. Un deuxième tour un peu discutable, hein. Il y a eu 7 secondes de perdu. Ah, mais il est fort. Bon, allez, on fait la dernière parce que sinon il resterait juste une, ça m'énerve. Dans la dernière, on va espérer qu'elle soit courte par exemple, parce que sinon. Bon, là du coup, bah, c'est chiant de devoir reprendre. Bah, en vrai, c'est juste que t'as fait le tour le plus long possible, je crois. Et je pense que le circuit était en bas. Non, il est là. Ah, le détour le plus long possible, peut-être avec ça, oui. Bon, oxydation que je connais pas tant que ça, hein, malheureusement. Peut-être que ça va mal se finir. Hein. Les lettres, je pense que ça va. Et la relique, j'en sais rien. La relique, après, si tu galères, suffit d'apprendre le cut. Hein. Bien sûr. Et t'es découvert quand même pas mal d'années après la sortie du jeu, je pense. Ouais. Donc apprenez-moi le... Donc c'est où que je peux le faire ? Ah. C'est dans la grande boucle T, mais bon, elle est tellement grande que va savoir où c'est. C'est au niveau d'où il y a les flèches, je crois. Ici, peut-être. Ah, peut-être là. Ouais. En mode ouais, là, tu pourrais... Tu peux sauter par le muret avec un peu de vitesse. Oh. Ouais, mais il faut quand même que je fasse la course pour avoir les lettres. Oui. Mais on parle mais du platine. Oui, de la relique, pardon. De platine, de la relique, de tout. Comme ça, tu t'en fous d'avoir les caisses, t'as juste à faire un tour débile. Bon, le C, qui l'aurait loupé ? Zelda du passé, sans doute. Bon, dans ce niveau, c'est pas compliqué d'avoir 10 pas. On a vu le T, je crois. Non, merde. Et tu l'as pas raté, c'est pour après. Là, il est là. Hop. Ouais, ouais. Oh, il est passé à travers la caisse, what? Merci. Oui, j'avoue. Elle a loupé le R. À cause de ça ? Après le thé. Ah non, merde. C'était au niveau du grand saut, juste après le thé. Après le grand saut ou avant le grand saut ? Oh, pendant. Ah d'accord, pendant, j'ai pas vu. T'as pas sauté en fait. Et c'est ça qui a fait que tu l'as pas eu. Quelle violence quand même. Par contre, bon, là on a plus rien. Oh, j'ai voulu te piéter la nitro ! C'est facile de se les prendre dans la gueule. Ouais. T'as réussi à pas le toucher. Je sais pas comment j'ai fait, mais ouais. Petit vol de clé. Le jeu donne plus rien, là. Ah là là. Le jeu, il fait son radin, quoi. Il donne pas de masque. Comment voulez-vous gagner si j'ai pas les masques ? Il suffit de se plaindre un bon coup, là. Ah bah voilà ! Une petite plainte, là, allez ! TG, bon, écoute.
Oh, la potion volante. J'ai vu la potion volante, hein. Du coup, c'est le saut après, là. Oh, vu. Merci. Vu et obtenu. GG. Lâche-moi, grognasse. Bon, qui c'est qui en avance? C'est encore Bandicoot, j'imagine. Voilà, bon. Ah bah oui, il y a des virages, ça fonce bien, mais bon. Quand c'est pas boosté, les missiles, ça devient mieux. Mais pourquoi les PNJ balancent toujours les missiles dans le vide quand ils sont premiers? Ça, je comprends pas. J'avoue. Bye bye. Bye bye. So long. Allez, une petite bouboule là. Oh, tu m'as. Ah, c'était la bouboule. C'était l'autre boule en fait que je voulais. La bouboule. Voilà celle-là. Non. C'est pas grave. Il va se la prendre dans la gueule, il est mauvais. J'aurais au moins pu casser la fiole. Ah, les messieurs. Qui ne touche jamais personne. Ça fait longtemps. La caisse qui vole. La potion qui vole. Tout qui vole. Tout pété. Allez, un petit masque là. Petite bouboule. Ah, faudrait. Un masque quoi. Ouais. Ah, et puis une bouboule derrière parce que sinon tu vas. Parce que sinon je vais jamais y arriver, ouais, j'ai trop nul. Oh, il a piqué tous les objets devant moi. Dernier tour en plus là. Non, dites pas ça. Non, j'ai perdu mal alors que j'avais un masque. C'est quand même honteux hein. Aïe 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 aïe. C'est quand même honteux. Mais putain! Ça prend tout devant mon nez! Je vais les défoncer, quoi. Pas content. Zeldo, pas content. Zeldo, cassé. Non, je pense que cette course-là, je suis vraiment pas fan. Hein. Elle a pas un décor qui me hype, en vrai. Ouais, ça fait genre futuriste, mais c'est genre tube. C'est vraiment tube, en fait, AD. C'est ça que j'aime pas trop, je crois. Elle fait court, elle fait tube. Elle fait tube et... Tu préférais les égouts. Ouais. Moi, voilà, ouais. Bon, moi, c'est mon dada, c'est les égouts, quoi. Allez. Tant de prendre des masques, quand même, pour gagner, là, un petit peu. Parce que... Un peu de triche. J'ai pas raté une lettre, là. Oui. Raté le P, oui. Oh, oh. S'il fonçait trop et qu'il allait en haut, ouais, voilà. Du masque, hein, finalement. Oui, le masque m'a fallu trop vite, en fait. Oh, un vrai fan du masque, hein, quand même. Il l'a tout le temps. Non, ta gueule. Le missile tâche. D'accord, là bon, pourquoi pas. Je voulais pas que tu peux les réactiver pendant qu'elle roule. Ça, c'était pas de bol, le missile. C'est compliqué à esquiver. Ah, voilà. Bah, t'aurais touché pourquoi, c'est elle qui le serait pris. Ah, ah. C'est cool, je pouvais se prendre un truc à la gueule. Arrête de prendre les objets devant moi! C'est bon. Nice. Nice dessiné. Hein. Facile. Je suis troisième déjà là. Un petit masque, c'est gagné. D'accord Coco, éclate-toi, mais éclate-toi ma conne. Voilà, bah voilà, c'est ça, on aurait pu arriver tout à l'heure. Hein? Ça avait pu faire ça tout à l'heure, quoi. Oh là 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 là. Ah, tu l'as dégagé, mais... Ah bah, elle reviendra plus, là. Elle est toujours deuxième, en se prenant. Ah bah, elle va se prendre la nitro, là, dans la gueule, là. Ah, regarde le classement à gauche, ça peut être distrayant. Ta gueule, Coco. Ah, je t'ai pas
c'est celle qui se les prend, en tout cas, il y en a deux. Coco et Tiny ont pris des dégâts en même temps. Allez, hey, prends une intro, là. On va avoir un masque, là, en temps premier. C'est injustice. Toujours plus, il est déjà Ballman, là. Oh, mon Dieu, ce que je lui mets au deuxième, là. Oh, ce que je lui mets dans la tronche. Ah ouais, c'est exprès, Coco, là. Bon, t'as pas mal d'avance, hein. T'as une bonne dizaine de secondes. À moins que tu te bouffes vraiment tous les murs. Ça devrait aller. Ah, GG. C'est gagné. Facile. T'as essayé de faire quoi à la fin? T'as vu, hein, t'as vu? Ah, vous avez vu, on peut rien vous cacher. On ne peut rien vous cacher à vous. Ah non. Bon, allez, la petite relique là, et c'est fini. Le jeu est fini après. Et le jeu est fini, quoi. Bah là, on aura fait les courses les plus dures. En vrai, si je me dis, si on a eu le 100% du monde 4, logiquement, on a le 100% du monde 1, 2, 3, quoi. Y a pas de raison qu'on ne l'ait pas. Après, dis-toi, plus les niveaux sont faciles, plus le timing est serré, quoi. Non, mais... Première course, année. Vous savez comment je suis rendu bon? À mon avis, si je te dis pas où est une des lettres, tu la trouveras jamais. Parce que je sais plus si elle est très visible ou pas. Elle est peut-être très visible ou prévisible. Un des deux. Ça va être l'enfer, ces caisses-là, après. Hein. On n'en doute pas. C'est con, il y en a qu'une, hein. Tu pourrais l'avoir sur les deux autres tours. Hein. Faut reset. Hein. Là oui. Clairement, là oui. C'est honteux ce que vous avez proposé là. J'avoue, c'était pas digne du grand. C'était pas digne de Zeldo là. Pas digne de mon skill habituel. Arrête! Pourquoi mon cerveau il a des bugs parfois, mais c'est impressionnant. Parfois les touches, tu vois, dans le gameplay, en plein gameplay, il va oublier la touche que c'est. C'est pourquoi, le cerveau. Ça fait 3 heures hein, qui fait la même touche, hein, ouais. Non, mais mon cerveau, c'est quelque chose. Je pense que quand je mourrai et que je donnerai pas mes organes à la science, bah. Ils trouveront rien. Ils trouveront. À mon avis, mon cerveau, il va être une analyse riche, dirons-nous. Ah oui, mais peut-être pas, mais il faut peut-être les prendre quand même un minimum là, au lieu de s'en branler. T'auras juste à freiner et à faire une ligne droite. Fais ça. Bravo. Non, mais il n'y en a pas dans les airs là. C'est quoi ces conneries? C'est une bonne chose. Ça envoie une bug à cause de Zelda TikTok, ouais, bah là clairement. Hein. Pas corrompu par Zelda TikTok. Hein, d'ailleurs, il a leaké, hein. Attention, faites gaffe chez vous là, la ROM est ouverte, la ROM circule. Ah ça y est. La ROM circule, hein, ouais. Ça y est, la ROM circule. J'ai pas circulé avant. Hein. Il y a des gens qui ont fait des streams YouTube carrément en mode tranquillou où ils jouaient en live au jeu. Rien à foutre, hein. Ouais, ouais, rien à battre. C'est un peu con. Siphano, il a joué? Non. Non, Siphano, il dit que c'est dégueulasse, mais bon. On le connaît, lui. Il va dire, ah, c'est dégueulasse de liker le jeu 2 semaines avant la sortie. Puis bon, la veille de la sortie, ça n'empêchera pas de faire l'épisode 1 sur Let's Play pour avoir plus de vues. Donc finalement... Oui, mais ça, c'est parce qu'il y a un partenariat avec Nintendo, il a vraiment le jeu. Ouais, c'est légal. Mais du coup, spoiler les autres un jour avant la sortie, c'est légal aussi, quoi. Oui, non, mais c'est pour leur donner envie d'avoir le jeu. Non, mais c'est comme... On en a pas besoin de ton Let's Play, Sif. Putain, tout le monde a déjà méga envie. Même moi, malgré tout ce que j'ai dit. Et là, je vais être d'accord, beaucoup de... Je me réconcilie avec beaucoup de gens qui m'haïssaient. Malgré tout ce que j'ai dit sur le jeu et tout ce que j'ai peur, etc. Là, j'ai quand même hâte à mort qui sorte, quoi. Et ça, c'est sûr. Hein. Ça, c'est sûr. Ah ouais.
Bah pas moi. En première pensée c'était en tout cas. Non, j'ai hâte à fond. Non, bah il est déjà acheté. Hein. Il est déjà pré-acheté là. Ça aide. Et le 12 on va le chercher, j'ai demandé possiblement un congé au travail si je... si on pouvait m'en donner un pour le 12 mai, comme ça je peux le prendre vraiment le midi, dès le midi là, c'est bon, c'est fini. Sinon bah il faut attendre le soir que j'ai fini de travailler. Et ça me fait chier. Ah c'est vendredi. Ouais c'est vendredi 12 qui sort. Okay. Ouais. Je sais pas pourquoi j'avais le 14 en tête. Oh. Mais non. Détail. En fait, Nintendo ils aiment bien le sortir leur jeu le vendredi. Ouais ouais bah oui, je sais pas pourquoi. Et que la Fnac les envoie le lundi, mais deux semaines après. Bon là il faut essayer d'être bon, c'est ça. Oh mon dieu. Et là il faisait le glitch sans vouloir hein. Et gagner quand même du coup, mais... Bon par contre j'ai aucune idée de où sont les caisses qui me manquent là. Enfin, faire la course ok, mais est-ce que j'espère que c'est pas des cachets derrière des trous ou des trucs comme ça là. Je pense pas. J'espère que c'est bien tout sur le chemin naturellement là. Bah normalement oui. Pourtant y a pas de chemin alternatif donc là. Je pense que c'est surtout sur la fin. Ouais. Déjà ça. Hop, 6 secondes de perdu pour... Arrêtez, je vais en gagner 10 en ayant tout. Oh, si tu mets ça bout à bout pour toutes les caisses que t'as fait demi-tour... Finalement... Alors toutes les caisses, ça ne suffit pas. Hein. Faut être bon aussi. Eh merde, j'avais oublié le détail. Oh, il m'en reste deux là où elles sont. Dans mon cul. C'est imminent, c'est imminent. Une... Ouais, la deuxième. Ouais, la deuxième, j'ai une crise cardiaque. Mais c'est dans pas longtemps, hein, de toute façon. C'est bon. C'est bon, on a toutes les caisses. Oh mon dieu! Oh, j'espère que l'or, il est pas. Oh mon dieu! Oh, c'est nulos! Oh! Ah, ouais, le Sapphire, il est chaud. Oh, chaud. Bon, j'ai la relique. Ouais, j'ai le Sapphire, mais le gold. J'ai fait 2,57 quoi. C'était 2,57. Ouais. En ayant eu toutes les caisses, hein. C'est dire le talent. Bon bah allez, on va voir ça. 2,57 et il fallait faire 2,56 évidemment. Ah, le temps que j'ai perdu en faisant mon demi-tour de la mort là, hein. Bon, au moins tu vois que c'est faisable. Hein. Largement. Facile. On fait même le platine. On va c'est ça. Platine, c'est 2 minutes, il trop secondes. Ah bah c'est bon, on fait le glitch, putain. T'as besoin de talent. Il suffit de tricher. Bah oui. Voyons. C'est la course où je freine tout le temps, hein. C'est... Ah, j'ai 16 gigas le TOTK qui fait. Ouais. Ah, tu l'as? Non, mais enfin, ah, okay. C'est pseudon qui dit ça. Ah. Je dis pas le chat, je suis concentré, hein, vous comprenez. Moi, la course... Je vais pas ça pompe toutes les ressources de mon cerveau là. Après c'est vrai que je peux. Arrête de faire ça à chaque fois. Je trouve que j'en ai loupé une en plus vu que je suis vraiment doué. Puis jouer à des jeux Switch sur émulateur, ça donne pas envie. Perso j'attends de voir, ouais bah moi aussi. Je sais que Wizra c'est pas privé de le prendre. Faudra lui demander comment il est le jeu. Est-ce que c'est vraiment Tears of the Fandom ou bien c'est vraiment. Un jeu incroyable qui défonce tout. Moi j'espère que c'est le jeu incroyable, mais bon. Du moment que t'as TikTok dans le nom. Mais il va ressembler beaucoup à bah au 1 quoi, et ça c'est sûr, hein. On a vu des extraits de gameplay, là Stefano nous a fait des. Du gameplay exclusif, lol. C'est lui qui joue. Ouais, je sais pas. J'attendrai qu'on a des scolaires soit fini déjà. Et d'avoir des sous. Bah ouais, hein, bah écoutez. Quand vous allez avoir des revenus, vous allez voir, ça change la vie. Plutôt que d'être à perte en permanence, hein, vie étudiante, youhou. J'ai encore un an avant ça, malheureusement. Mais après, tu peux toujours faire des jobs étudiants. Hein. Mais ça vous fait chier, je vous le vois. Ah oui, ça me fait chier. Non, déjà travaillé cet été. Ah. Mi-temps sera déjà bien. Ah, bah voilà. De faire une demi-heure de marche tous les matins. Yes. Moi c'est 10-15 minutes pour aller à la banque. Voilà, vive la campagne. Oh bon, il faut absolument que je sois moins hype pour mon prochain saut, hein, c'est pourquoi, mais moins hype, les sauts. Moins hype. Ouais, j'y ai pensé, mais c'était trop tard. Hein. Moins hype dessiné, hein, là.
Ah mais on perd du temps là. Ça va encore me faire comme tout à l'heure là. Donc ça sert à rien de freiner là. Tu pouvais l'avoir sur le dernier tour. Mais taisez-vous. Ah, les prises de décision ne sont pas bonnes. Non mais je suis clairement pas un bon stratège hein. Vous m'avez déjà vu en dans un jeu stratégie. Ah ouais, je t'ai vu sur TFT. Ouais, t'as vu, j'ai fait top 1 quoi. C'était du haut niveau. T'as vu, je commence à faire les bons dérapages. Ouais, mais c'est dommage que tu finisses dans le mur à chaque fois. Arrête hein. Mais c'est l'intention qui compte. Oui, bien sûr. Et le résultat aussi. C'est vrai que ça en fait partie. Mais bon, l'important, ce n'est pas la destination. C'est le chemin. Pas trop. Hein, bah bon, tu me diras, si mon chemin, c'est d'avoir été ruiné, la conséquence, c'est d'être à la rue, c'est sûr que c'est le chemin qui est beau, quoi. Ouais, c'est l'aventure. Bah, y a ça, là. Donc là, je fais rien, hein, je fonce pas. Je fonce jamais, je fais doudou. Doudou. Elle me tes ardeurs. Mais par contre, si tu sautes pas, il y a moyen que tu tombes aussi. Hein. C'est un peu... C'est compliqué, quoi. Bon bah alors, où elles sont ces caisses de merde? Je vois même pas le temps où je suis là. Je vois même pas quoi. Ah si, 45. Oh bah ça va. T'as 20 secondes encore. Oh oh oh. Tu te dis que c'est serré comme ça pour les golds, c'est laisse tomber pour les platines. Non, mais moi je laisse tomber les platines. Hein. Moi, du moment que j'aurais fini le 100%, et encore, je suis pas sûr de faire les gemmes, hein, étant donné que c'est des... Après, tu sais, comme la violette, ça va. Bon, on regarde comme d'hab, la platine, c'est combien de temps, là, pour rigoler. De toute façon, c'est comme dans les jeux de base. Hein. Les jeux de base sont des platformers, mais même pour des platformers, faire les platines dans Crash, c'est dur. Même moi, j'aurais bien du mal. T'avais fait combien là? C'était 36 que t'as fait, non? Attends, il y a un bug là. En vrai. C'est dans le statut, c'est ça? Attends, non, bah non. Bah non, sinon tu l'aurais eu parce que t'as dépassé de 8 secondes. Attends. Regarde la rediff au pire, ouais, pour voir. Bah, je pense que t'as fait 40 et quelques. Pour 44. Oh, regardez-moi ce magnifique statut. Franchement, ça vous donne pas envie. Je sais pas où c'est dans le jeu que tu peux voir. Comment ça se fait que j'ai pas de rouge? D'ailleurs, la couleur, est-ce qu'elles ont une importance ou c'est lié à... Non, c'est pas un monde, une couleur. C'est... Bah, j'aurais pensé, mais c'est pour dire les circuits sont dans quelle coupe, quoi. Ouais. C'est bizarre, j'ai aucune rouge alors que j'ai fait toutes les coupes, toutes les courses d'un monde là. T'as fait 2,48. Ouais, bah ça va. Ah non, je suis de l'autre côté. Ça va encore être un projet complexe, hein, d'aller à la sauvegarde. Sauvegarder. Ah, aller à la sauvegarde dans le prochain monde après. Ah d'accord. Ah là, sur le coup, c'était vraiment vous. On peut pas dire que c'est ça me m'écaille. Hein. Et voilà, regardez-moi ça. Je vais en faire un print screen tellement c'est beau. Oh, j'espère que ça l'a pris en compte. Mais ça devrait être bon. Ah oui, regarde, il y a deux jaunes là. Mais ouais, quel est le sens des couleurs finalement? Bah, c'est que les deux là sont dans le circuit jaune. Enfin, la gemme jaune. Ah, bah oui, c'est ça qui se passe. Bah non, c'est faux. Bah non, c'est faux parce que les courses des boss, on ne s'est pas rebattu dans les arènes. Moi. Ah ouais? Aucune idée. Ouais, regardez les rouges là, c'est où là? Ah, on le voit pas, c'est noué. C'est cool. Bon bah écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave, bah écoutez. Voilà. Bah ça s'est super bien passé. Bon bah on va continuer. On va continuer. Adé, ça vous fait plaisir qu'on continue? Bah moi oui. Bon du coup, est-ce qu'on continue demain? Parce que demain j'avais eu envie de faire le playtest de Forgotten Legend English Version. Mais si ça se trouve, peut-être qu'on fera crash la place. Parce que c'est vrai que là, la semaine prochaine, c'est risqué. Parce que je sais pas l'horaire que je fais au travail. Vu que je l'ai pas avant jeudi.
Donc, et si j'ai congé vendredi, bah jeudi soir, moi je suis parti. C'est sûr, là, pour reprendre à la première heure Tears of the Kingdom, ça, c'est sûr. Je vais attendre devant le magasin, là, qu'il ouvre, comme un fan de la PS2 en 2001. Mais en 2000. Bah, moi, 2001. C'est comme tu veux. Moi, demain, ça va. Donc, c'est ça. La semaine prochaine, il y a un risque. Il y a un risque la semaine prochaine, parce que je ne sais pas si j'aurai des temps libres ou quoi, mais demain, c'est sûr qu'on peut, mais demain, j'aurais aimé caser Forgotten, quoi. Ah, bien, je parlais de ça. Bien, j'ai vendredi. Vendredi, je finis ma semaine, si tu veux. Ouais, bah t'as tout le week-end après. J'ai vendredi soir. Ouais, on peut faire vendredi soir, si tu veux. Bah, un des deux, comme tu veux. Mercredi, demain ou vendredi. Même si je pense demain, ça m'aurait peut-être plus arrangé. Ça t'arrangerait mieux demain ? Ouais. Bon, on va essayer de faire ça. Mais au pire, je préfère Forgotten le matin, comme ça il y aura personne. Au pire. Voilà. YouTube. Et je parle trop. Ah, vous êtes là, vous. Salut YouTube. Salut Jean Labedaine.